Très bien. Bon, bonsoir à tous. Je vais commencer par les pouvoirs. Donc, Francis Beaufour me donne son pouvoir. Martine Corneau donne pouvoir à Maïté Guinot. Je n'ai pas d'autres pouvoirs. Bon, c'est bon. On va désigner un secrétaire de séance, Nicolas Micot. Est-ce que tu es d'accord ? Merci. Alors, premier point, donc, l'approbation du compte-rendu de la séance du 5 septembre 2023. Est-ce qu'il y a des remarques ? Moi, Philippe, j'avais dit... C'est moi, je suis là. Oui. Moi, j'avais dit que je ferais une précision par rapport au dernier conseil qu'on a fait concernant les effectifs qu'il y avait eu à la rentrée de l'école, à l'école élémentaire. Et donc, j'avais annoncé qu'il y avait une prévision à 150 et qu'on était à 117. Mais dans les 150 avaient été comptés les 12 élèves de la classe des Ulysses. Voilà, donc c'était faussé un peu. Voilà. Donc j'avais dit que je corrigerais. C'est fait. C'est tout à ton honneur. Bravo. Non, non, mais celle-ci, c'est vrai. En plus, je ne dis pas ça en rigolant. C'est bien d'assumer. Donc il y a un point supplémentaire, ça serait le 15 bis. Si vous regardez, on a, ou le 16, c'est comme vous voulez. Donc, convention CIDEV, on a rénovation éclairage mairie, et ça serait bien de mettre convention CIDEV, éclairage public au lotissement du fief du Manille. En fait, c'est le lotissement qui est en train de se faire, tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord ? Pas de souci. Donc, il n'y a pas d'opposition, d'abstention. Je vous remercie. Donc, on va passer à la première partie, projet structurant. Donc, avec la présentation du projet d'aire de service pour les camping-cars. Donc, je vais le présenter. Donc, là, vous avez tous reçu une note. Ah, parfait. Alors, je rappelle déjà, premier élément important. Déjà, je tiens à saluer le travail qui a été fait par Sandrine Baudry et Marie-Thérèse Guinon sur ce sujet-là. Parce que ça, là, c'est l'aboutissement, finalement, hein. Mais si on refait un peu l'historique, on reprend le programme qu'on a porté durant la campagne de 2020. C'était marqué sur la première page du programme, réaliser une aire de camping-car. Donc l'idée d'avoir une aire de camping-car, pourquoi finalement aujourd'hui c'est une aire de service ? Alors la raison, elle est toute simple. On a eu une réflexion pour les différents endroits où on pouvait accueillir une aire de camping-car. Et finalement, le seul endroit où c'est possible sur le plan urbanistique, c'est-à-dire que le pays, lui, on fait pas de type d'installation n'importe où, c'était à l'espace Richambeau. Là, vous suffit d'y aller là en ce moment, l'espace Richambeau, ça inonde, quoi. Donc on va pas fournir le permis de pêche en même temps. Hein. Donc l'idée, c'est à la fois d'avoir des stationnements pour les camping-cars, donc c'est déjà le cas. Par exemple, vous en avez à Saint-Armand, vous en avez aussi, par exemple, à la salle polyvalente, vous en avez aussi près du City Park. Et par contre, il y a le problème, c'est de vidanger en fait les camping-cars et de remplir mince, je suis en train de chercher le mot, les réservoirs, voilà. Donc, il y a eu toute une réflexion et l'endroit le plus approprié, donc, et qui n'onde pas, c'est juste à côté de Solidaire. D'accord ? Et c'est vrai que j'aurais dû commencer aussi par cela. Je parle beaucoup d'aires de service, mais en fait, finalement, le projet là dont je vais vous parler, c'est à la fois d'aires de service et à la fois de la sécurisation. Parce que je ne sais pas si vous visualisez un petit peu là au niveau des céder le passage ou stop, on ne sait pas vraiment au niveau de la route départementale, c'est quand même pas terrible. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire ces travaux de sécurisation. Et autre chose, donc on rentrera vraiment pleinement dans le sujet l'année prochaine, c'est tout ce qui est liaison douce, mobilité active. C'est ce que vous voyez en fait finalement en rose. Donc je présente le projet. Si vous avez des questions, vous me les poserez à la fin, il n'y a aucun problème. Donc il y a une haie là, qui se trouve tout autour, là au niveau du triangle, donc, qui va être enlevée, hein, bien entendu, parce que vous pouvez, l'objectif c'est de raménager tout cet espace. Par contre, il y a un arbre, l'arbre en l'occurrence va être gardé. Je tiens à le préciser, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a un arbre qui est
un arbre magnifique, mais c'est quand même un arbre d'une certaine grosseur. Donc celui-ci ne sera absolument pas enlevé. Il va y avoir un système pour vidanger. Je vais prendre votre souris, comme ça sera plus simple. Il faut juste que j'arrive à voir où est la souris. Oui, ben, ça, elle est dans ma main. Donc le système pour vidanger, il va être là, là. D'accord ? Donc c'est les fameuses cassettes, hein, avec, je ne vais pas vous expliquer ce qu'il y a dedans. Et l'idée, donc du coup, c'est il y a un réservoir et du coup, on met ça dedans. Pour l'instant, il n'y a pas de borne pour payer, en fait, pour faire le remplissage des... pour utiliser cette aire de service. Alors pourquoi ? Parce que ça a un certain coût. Et on n'est pas pleinement convaincu de l'utilité pour le moment. Ceci étant, tous les réseaux vont être mis pour pouvoir l'installer. Une borne, ça coûte 15 000 euros. 14 000, je crois. C'est ça ? 14 000 euros. Donc, on va voir ce que ça donne. Si il faut en installer une, on l'installera. Il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Mais là, on veut faire le test par rapport à ça. Il va y avoir un presto pour le remplissage d'eau. Hein. Donc, 100 litres d'eau. On prévoit donc les réseaux pour mettre une borne, donc l'endroit pour vidanger les cassettes, donc l'arbre qui reste. Il va y avoir une séparation aussi. Alors on voit pas bien là sur le, ça se trouve ici. Tac. Hein. Vous l'avez eu sur le plan là. C'est pas facile avec la souris parce qu'elle bouge beaucoup. Donc l'idée c'est bien dissocier les deux lieux, c'est-à-dire dissocier de solidaire de l'aire de service. Il y aura un petit portillon. Entre les deux pour pouvoir communiquer, mais on va se retrouver avec deux espaces bien différents. Même l'endroit où on vidange, il est suffisamment éloigné de l'entrée de solidaire pour pas qu'il y ait de désagréments. À part si vous n'avez vraiment pas de bol et que vous vous retrouvez devant la porte juste au moment où la personne met sa cassette, mais enfin, vous n'êtes pas obligé d'être hyper statique. Il n'y a pas d'odeur, c'est ça que je veux dire. Voilà. Il y aura une table ici. Alors, ce n'est pas une table de pique-nique, bien entendu. Mais enfin, pour ceux qui ont fait un minimum de... Même tout simplement, ceux qui sont partis en vacances une fois avec des enfants, eh bien, quand on fait une pause, ce n'est pas des centons, quoi. On ne les laisse pas sur une étagère. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un espace pas très loin où ils peuvent bouger. Et puis voilà, c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il y aura une table qui sera installée à cet endroit-là. Donc, c'est important aussi. C'est-à-dire que, et c'est une affaire de 30 minutes, hein, le fait de vidanger, de fait de remplir les réservoirs. Donc ça, c'est pour l'aire de camping-car. Alors après, enfin l'aire de service, pardon. Hop. C'est très pénible cette souris. Donc là, vous avez les deux espaces là. Vous avez le lien finalement entre la route départementale et la voirie. Donc tout ça, ça va être sécurisé. Donc on ne sait pas, vous n'avez pas un autre plan que celui-ci ? Parce que normalement, sur les documents que vous avez dû avoir, il devait y avoir un passage pour piétons là. Genre, je ne sais pas, je ne le vois pas parce qu'il y a la lumière. Il y est. Donc il est là en fait. On va avoir un passage pour piétons. Et si vous regardez en rose, là, c'est la fameuse liaison douce qui emprunte un chemin qui existe déjà. D'accord ? Avec l'idée... Il y aura plusieurs possibilités, mais ça, on verra ça l'année prochaine. Soit on fait un aménagement pour traverser l'espace Richambeau avec une passerelle qui est surélevée pour pouvoir l'utiliser tout au long de l'année pour pas... vous l'avez ? Montrez-la. Non, mais c'est pas grave. Mais non, mais faut pas cacher. Hein, c'est pas... Voilà, donc c'est ce qu'il y a sur la droite. Vous voyez ? Donc là, on voit pas trop, mais en fait, c'est surélevé. On voit peut-être mieux sur le côté là, celle de gauche. C'est surélevé pour qu'on puisse l'emprunter tout au long de l'année. Ou alors après, vous avez d'autres possibilités. Mais là, il faut faire du. C'est au niveau. Ça a collé à la départementale, mais il y a bien la barrière. Mais il y a quand même du terrassement à faire avec une fameuse liaison douce. Parce que je rappelle, il y a quand même un problème pour traverser aussi cette départementale pour des gens qui habitent. Dans ce secteur-là, pour pouvoir aller dans le secteur de l'anglais. Donc il y a aussi des réflexions pour des aménagements de sécurité. Alors ce ne serait pas un rond-point, mais on aura l'occasion d'en reparler. Là, on est encore en réflexion, justement entre les pompiers et de l'autre côté, pour justement qu'on ait de la sécurisation.
parce que derrière, pour les enfants, on n'est pas du tout sécurisé de les laisser partir en vélo, ou même ne serait-ce qu'à pied, hein, pour traverser la départementale, en l'occurrence. Alors, on peut retourner en arrière. Hop. Où est la souris? Ah, oh, ça m'énerve. Il faut être délicat. Donc, je vais faire preuve de délicatesse. Donc là, cette partie de la voirie va être refaite entièrement. D'accord? Alors, pas le bas hein, du parking, mais toute cette partie-là. La chaussée va être refaite. Comme je vous l'ai dit, là, cette partie, donc ça sera le début de la liaison douce, va être aménagée. On aura l'occasion d'en reparler, en fait, de ce qui se fera l'année prochaine. Oui, mais oui, bah, tu peux le dire, Cathy. Vas-y. On aura l'occasion d'en parler déjà très prochainement, vendredi 24 novembre, puisqu'il y a la présentation du plan de schéma directeur de mobilité active qui sera présenté. Hein. Exactement. Donc, ici à 18h30. Parfait. Voilà. Tu pourras faire un petit rappel à la fin du conseil aussi pour que tout le monde enregistre bien la date. Et donc, dans le prix global, hein, donc on est à 85 000 de mémoire. 85 000, vous avez à la fois l'aménagement de l'aire de service, à la fois les travaux de réflexion de voirie, à la fois les travaux de sécurisation et le début de la liaison douce. Donc dans l'ordre du jour, c'est marqué donc, présentation du projet d'aire de service pour les camping-cars. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû mettre simplement l'aire de service, c'est-à-dire que c'est un projet qui englobe trois choses, la sécurisation et les mobilités actives. Donc c'est important de l'avoir à l'esprit et c'est un budget qui est indépendant. C'est-à-dire que, par exemple, la voirie ou les travaux de mobilité pour les mobilités actives, c'est quelque chose qui ne va pas être pris sur un autre budget. Je prends un exemple, ça ne sera pas pris sur le budget de JAM au niveau de la voirie. C'est bien un budget qui est complètement indépendant. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin d'être sécurisé, mais c'est juste pour le rappeler. Et je crois que c'est tout. Je crois que j'ai rien oublié. Je regarde Marie-Thérèse. Je regarde Sandrine. J'étais complet. Bon, en tout cas, je vous remercie. Parce que c'est aussi un moyen d'attirer des gens sur notre commune. Et de. Ben, cette question de centralité, elle s'exerce, elle passe aussi à travers ce type de projet. Voilà. Y a-t-il des questions ? Question, j'observe là, donc il y a deux stationnements de prévus de 8 mètres sur 4, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, cette aire de service, ce sont donc, moi, je comprends comme ça, il y a des panneaux de signalisation qui vont donc informer les automobilistes, enfin les usagers de camping-car, qu'ils ont à disposition un endroit où ils pourront donc faire le remplissage d'eau et aussi vider. Les matières fécales et tout ça, et les déchets ménagers également ou pas? Les déchets ménagers, c'est pas prévu. C'est, peut-être pas. Non. Donc, en fin de compte, il n'y aura jamais une... Ça sera juste un passage, en fait. Oui, et après, ils pourront aller de l'autre côté, voilà. Autour de la salle polie. Parce qu'en fait, techniquement, les différents endroits, il y a eu des réflexions concernant... par exemple, près du City Park, mais ce n'était pas possible parce qu'on était en zone naturelle, c'est ça. Après, on a regardé aussi l'ancien terrain de cross. Là. Et là, sauf que là, ce n'est pas possible. Bon, maintenant, vous savez, hein, on est en zone agricole, donc, parce qu'on est en dehors de l'enveloppe urbaine, donc ça ne marche pas. Après, le seul endroit où c'était possible, c'était l'espace Richambault. Et l'espace Richambault. Comment ? Parce qu'on est en zone de loisirs. Voilà, parce qu'on est en zone de loisirs, tout à fait. Donc c'est le seul endroit où c'était possible. Sauf que le seul endroit où c'est possible, faut quand même. Là, on se donne le chiffre de l'aire de service. L'aire de camping-car, c'est 200 000 euros. Hein. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas mettre 200 000 euros dans un endroit qui n'est pas utilisable une partie de l'année. Donc il y a eu tout un cheminement pour arriver justement à cette aire de service. Mais c'était écrit, je sais que j'insiste souvent avec l'équipe sur ça, mais c'était écrit dans le programme, et donc c'est notre feuille de route, quoi.
et donc on doit le faire. Alors après, il y a des raisons pour lesquelles on ne fait pas cette heure de camping-car, mais on arrive à cette heure de service. Voilà. Oui, Patricia. Ouais, j'ai une question. Alors moi, je trouve que l'endroit est carrément bien choisi. Alors peut-être qu'il n'y avait pas vraiment le choix, mais je trouve qu'il est très accessible et puis il est sur la départementale. Ça va être visible. Ouais, très visible. Par rapport au budget et puis au service rendu, est-ce que dans le prix des 85 000, là, il y a le coût de... Comment on appelle ça de la maintenance. Voilà, merci, je cherchais le mot. La vidange, enfin, les gens ils vont vidanger, mais à un moment donné, ça sera plein, il faudra... voilà. Qui c'est qui prend sur ça? Vas-y, prends la parole. Non, il n'y a pas de fausse. En fait, cette aire de service sera accordée au tout à l'égout collectif. Donc. C'est carrément autonome, quoi. En fait, c'est bien. Après, il y a eu vraiment cette réflexion sur la borne. C'est pas complètement tranché, en fait, on va voir. Mais attendez qu'on aura les réseaux, s'il faut mettre la borne après, on la mettra. Mais ça sert à rien de dépenser 14 000 euros pour quelque chose, ça se trouve, qui sera pas utile. Et pour répondre à, vas-y. À Henri, les deux places de stationnement, ce sont des places de stationnement, mais en attendant que le précédent vidange, en fait. C'est pas des stationnements pour y passer la nuit, par exemple. Ce que vous avez en jaune, là, c'est l'endroit où vous vidangez, là. Ça, c'est important. Voilà. T'as raison. Voilà. Après, honnêtement, de toute façon, on avisera, mais déjà, il y aura l'aire de service, quoi. Voilà. Parce que là, il n'y a rien. C'est vrai que ça peut peut-être... mais il y aura... Si vraiment, on imagine, il y a un camping-car qui attend, bah, il descendra là, tout en bas, il fera le demi-tour. Par contre, on mettra aussi un panneau pour les journées où il y a solidaire, pour pas que les camping-cars stationnent. Alors, c'est le jeudi ? Mercredi et jeudi. Donc, il va y avoir un panneau d'information pour dire aux camping-cars de ne pas rester sur cet endroit. Mais bon, je pense que ça peut très bien fonctionner et marcher. Il y a d'autres questions? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions au projet? Des abstentions? Vous réfléchissez? Non? Non, je sais pas. C'était juste pour savoir le début et la fin des travaux. Enfin, quand ça sera... Ça doit commencer, fin d'année, normalement, je pense. Ouais, c'est ça. Et puis ça se terminera en début d'année. Enfin, premier semestre, quoi. L'idée, c'est qu'il faut que ça soit opérationnel pour l'été prochain. On est là-dedans, hein, c'est ça. Donc voilà. Donc il n'y a pas d'abstention non plus. Donc projet adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, c'est une continuité. Hein. Là, point 2, c'est proposition donc, d'autorisation de paiement, de programme, pardon, et crédit de paiement pour la réalisation d'une aire de service pour les camping-cars. Alors, depuis le 1er juillet 2006, toutes les collectivités, quelle que soit leur population, peuvent recourir aux autorisations d'engagement et crédit de paiement. Les autorisations de programme se rapportent à des projets d'immobilisation à caractère pluriannuel. Elles sont valables sans limitation de durée. Elles peuvent être révisées et sont annulées lorsque le projet est terminé. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des crédits pouvant être engagés au titre d'un exercice. Donc là, l'idée, c'est de mettre en crédit... de mettre 85 000 en autorisation de programme. Et du coup, le crédit de paiement, ça permet de voir finalement au fur et à mesure ce qui est dépensé. On a déjà utilisé ça avec la bibliothèque. Voilà. Et ça permet d'avoir une visibilité claire, en fait, complète. Plutôt que de mettre une petite somme une année, là, par exemple jusqu'à la fin du mois de décembre, et puis d'en remettre une autre somme. Là, on part tout de suite sur la somme totale. Et après, l'argent, elle est débité au fur et à mesure des besoins, pour expliquer simplement. Voilà. Pardon, l'espace culturel. C'est Philippe qui me corrige. On a fait la même chose. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? Bon, normalement, ça doit être à peu près le même vote que le précédent. Après, faites comme vous voulez. Hein. Mais est-ce qu'il y a des oppositions?
Les abstentions ? Je vous remercie. Donc, adopté à l'unanimité. Troisième point. Ils viennent à 19h30, c'est ça ? Bon. On est un peu en avance. Donc, pour le point numéro 3, j'explique quand même. Présentation du projet de création d'une salle de danse gym yoga. L'architecte va venir présenter le projet. Donc, non, si je croyais qu'il y avait une question sur le côté, c'est pour ça. C'est comme ils sont sourds, ils crient. Bon, bref, je fais une plaisanterie là, c'est pour détendre un peu l'atmosphère. Donc 19h30, bah, je vous embête, vous avez le droit d'en faire aussi. Donc comme à 19h30, donc il y a l'architecte qui vient pour présenter le projet et qu'on est un tout petit peu en avance, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au point numéro 4. On reviendra après au point numéro 3 juste derrière. Ça marche ? Donc, présentation du décret tertiaire et modalités d'application de la politique de sobriété énergétique sur Saint-Hermine pour remplir nos obligations légales. Avec le petit A, donc l'information, la mise en place d'un système de gestion à distance du chauffage des sites scolaires et mairies. Alors, je rappelle, donc conseil municipal, la genèse de ce que l'on appelle communément décret tertiaire et les objectifs fixés dans la loi. Donc ce décret prend sa source dans l'engagement national pour l'environnement issu du Grenelle 2 en 2010. Cet engagement est traduit donc dans la loi en 2018, c'est la loi Élan, hein, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, et a donné naissance au décret donc dit décret tertiaire, celui qui nous intéresse aujourd'hui. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ce décret vise à réaliser des économies d'énergie à hauteur de 40% en 2030, 50% en 2040, 60% en 2050 par rapport aux consommations de 2017. C'est le point de référence. Donc il est entré en vigueur le 1er octobre 2019 et concerne donc tous les propriétaires de bâtiments à usage tertiaire, donc c'est usage de service, hein, d'une surface supérieure à 1000 m². Et il oblige donc les propriétaires, donc y compris les collectivités, a déclaré chaque année au 30 septembre sur une plateforme Opéra, donc de l'ADEME, bon, je passe les acronymes, les consommations énergétiques de l'année. Cette déclaration doit comporter le détail des efforts à fournir pour atteindre les objectifs réglementaires. Puis avant le 30 septembre 2026, il faudra avoir défini un plan d'action pluriannuel réalisé sur la base d'audits énergétiques. Puis chaque décennie, le déploiement d'actions d'économie d'énergie devra être analysé et mis en œuvre. En cas de non-réalisation de ce plan, et ou en absence de déclaration sur Opéra, la collectivité s'expose à une amende de 7 500 €. Après, au-delà de tout ça, là, c'est reste une problématique actuelle, le coût de l'énergie, et de réduire la facture énergétique. Donc même sans le décret tertiaire, c'est une problématique. Donc on est bien obligé de se poser ces questions. Donc la commune de Saint-Hermine est concernée par ce décret sur 3 sites. Donc on a la mairie, là, où on se trouve, donc le Côte Vert, l'école du Prévert et l'ancienne mairie, et l'ensemble sportif de l'Anglais, qui comprend la salle de sport, la salle polyvalente et la piscine. Sur ces 3 sites, donc, ont été déclarées les consommations de l'année de référence 2017 et l'évolution donc, chaque année après. Hein. Donc, des mesures donc, de correctives de réduction des consommations doivent désormais être mises en place. Donc, je rappelle au conseil municipal l'intérêt de la création, donc, l'année dernière quand même, d'un poste de responsable ERP et transition énergétique, pour la mise en application de cette législation, parce que c'est Christelle Mazoué qui a complété ces différents documents, et c'est loin d'être simple, je peux vous assurer, hein. C'est beaucoup, beaucoup de travail, mais également donc, dans la recherche d'économie, dans la gestion quotidienne des fluides, dans les ERP de la commune, donc c'est des établissements recevant du public, ERP, hein, devenu poste numéro 1 des charges générales. Je rappelle aussi que Christelle Mazoué, avant de travailler à la mairie de Saint-Hermine, elle travaillait à la SEM Croissance Verte. Donc, c'est des sujets qu'elle maîtrise et qu'elle connaît. Donc, il s'agit, en fait, à travers cette délibération, de prendre acte de la responsabilité de la commune dans la mise en application du décret tertiaire. En gros, de se conformer à la loi, hein, c'est ça. La plateforme Opéra a déjà été complétée. Et de prendre en compte l'obligation de mise en place d'un plan d'économie d'énergie dans les établissements de la commune. Donc là, on est, c'est une acceptation, en gros, de la loi, de la législation. Est-ce qu'il y a des remarques et des questions ?
Oui. Oui, d'accord, Henri. Oui, je regardais les objectifs à atteindre. C'est quand même assez ambitieux. Mais ça va nécessiter quand même quelque chose de. Enfin, une mise en place d'un projet, mais qui soit quand même fiable, mais aussi qui puisse atteindre cet objectif. Parce qu'il va y avoir nécessairement des outils à adapter. Puisqu'il ne s'agit pas d'une simple. Ouais. Il ne s'agit pas d'une simple télécommande, par exemple, de régulation du chauffage. On va y revenir parce que du coup, il y a quand même des choses qu'on peut faire pour réduire la facture. Voilà. Et puis, je serais tenté de dire, bon, OK, il y a les objectifs, mais on n'est pas entre. Je pense qu'il ne faut jamais subir la loi. Et on a déjà engagé cette réflexion par rapport à ça. La réalité, c'est quand même que la salle polyvalente et nos deux écoles, c'est quand même les principales sources de dépenses au niveau énergétique. Et que de toute façon, pour l'école, il y a le travail là pour cette nouvelle école. Et on y travaille vraiment. Alors vous allez me dire, bah oui, mais on ne voit rien. Mais oui, mais c'est parce qu'il y a toute une réflexion justement en lien avec cela. Pour la piscine, Bernard, tu pourras peut-être aussi en parler. Il y a toute une réflexion. Et on a même été sollicité par le CIDEF pour réfléchir à une, c'est le troisième point, pour une chaufferie. Donc justement, donc, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à voir les différents chemins possible et qu'on prenne face nos choix en âme et confiance, conscience, mais aussi en confiance. Voilà. Parce que il ne faut pas qu'on subisse les choses, clairement. Moi, je ne le vois pas comme une punition, en fait, ce décret. Je dis, mais c'est quand même conséquent comme dossier. Il faut voir un petit peu l'objectif à atteindre. Hein. C'est quelque chose. Tout à fait. Oui, voilà. Allez, Bernard et puis après Jean-Michel. Oui, donc il y a quand même deux choses. On n'a pas attendu que l'État nous conseille fortement de créer ce système d'économie. Hein. Évidemment, la réflexion, elle est faite, elle existe déjà sur les bâtiments existants avec des solutions. Hein. Effectivement, Madame Mazouet travaille là-dessus. Elle vous en dira plus, plus techniquement, mais sur des économies d'énergie au niveau des chauffages, il faut savoir que tous les bâtiments communaux sont alimentés par le gaz de ville. Ce qui était une très bonne décision à l'époque, puisque le gaz de ville n'était pas cher, sauf que c'est devenu maintenant énorme, et plus ça va, plus on augmente. Donc on est après recherché des solutions sur les projets. Alors déjà, les projets, c'est plus facile, parce que justement, comme ça l'indique, c'est un projet. Et sur l'existant, on est après cherché des mesures d'économie d'énergie, justement par le premier point, c'est la mise en place d'un système de pilotage énergétique dans les écoles pour optimiser au maximum le chauffage avec des abaissements de température la nuit, le week-end, au maximum. Évidemment, ça va engendrer un budget, mais c'est normal. Et par exemple, pour la piscine, puisqu'on en parle, la piscine, on a après étudié, enfin on le verra tout à l'heure, l'installation d'un volet thermique électrique sur la piscine, ce qui nous ferait gagner à peu près 3-4 degrés par nuit, ce qui est quand même énorme. Hein. Il faut savoir qu'actuellement, la chaudière gaz marche quasiment plein pot pendant que la piscine pour amener les 27-28 degrés obligatoires pour des enfants. Et puis, donc, comme le disait Philippe, le CIDEV nous a fait une réunion d'information sur l'éventualité. Hein, je dis bien l'éventualité. On parle sur des échéances de 5 ans, pas minimum, pour éventuellement une chaudière collective, ce qui pourrait se situer, mais ça reste qu'un projet, qui pourrait se situer sur le site de l'Anglais, puisque cette chaudière collective, qui serait donc une chaudière alimentée par du bois concassé, et qui alimenterait en réseau d'eau chaude, qui pourrait alimenter un réseau d'eau chaude, la maison de retraite, le collège, la salle omnisport, la piscine, la salle polyvalente, et sur un territoire très... et la future école et la future salle de danse. Sur un territoire très, très réduit, je crois qu'on parlait de 500 mètres de conduite seulement, je dirais seulement. Donc voilà, on travaille vraiment sur ça. On n'a pas, comme j'ai dit au début, on n'a pas attendu que l'État nous disent attention, ça fait un moment que, effectivement, vu l'augmentation des coûts d'énergie qui est énorme, on a quand même, je vous le rappelle, on a pas loin de 42 bâtiments sur la commune.
Donc il y a du boulot, mais on travaille dessus. Donc est-ce qu'il y a des... Par contre, Philippe, oui. Là, le graphique qu'on a là, sur la consommation, c'est énorme le delta qui est entre 2022 et 2023. Ouais, alors ça, je voulais le rappeler, mais je pensais que Jean-Michel allait en parler. Les années références, bah, c'est les années... quand vous voyez la ligne verte, ça correspond à la piscine, salle polyvalente, salle omnisport. Les années références, c'est les années Covid. Donc, effectivement, ça fait une augmentation énorme, bah, ne serait-ce que pour la piscine et la salle polyvalente qui reprend des activités, quoi. Donc, effectivement, à vue d'œil, c'est énorme, mais c'est logique. Est-ce qu'il y a des oppositions sur le principe de la mise en place donc, d'un système de gestion à distance du chauffage des sites scolaires mairies? Non, moi, j'ai une interrogation. J'ai plus la délibération. Une question. Oui. Par rapport à la chaudière, Bernard, tu dis que ce serait au bois? Alors, je répète, reste un projet. Oui. Si vous voulez, on va prendre dans l'ordre les délibérations parce qu'autrement, on ne va plus s'y retrouver. Oui, parce qu'en fait, c'est lassé. On en parle. Donc, on va les reprendre dans l'ordre parce qu'autrement, on va plus savoir ce qu'on vote. C'est quand même embêtant. Donc la présentation du décret tertiaire et la mise en application sur Saint-Hermine, est-ce qu'il y a des oppositions à ça? Des abstentions? Donc je vous remercie. Après on passe au point juste après. Voilà, suivant. Voilà. Donc là, il s'agit donc de l'action de mise en place d'un système de pilotage énergétique pour les sites scolaires. Donc, mairie et site scolaire. Donc là, on est dans la même logique, c'est-à-dire qu'on a... Enfin, je vais lire la délibération. Donc, dans le cadre de la mise en application du décret tertiaire sur Saint-Hermine, la commune de Saint-Hermine envisage, en collaboration avec EDF, de mettre en place un système de pilotage énergétique des bâtiments destiné aux professionnels, incluant l'installation d'un système de gestion technique de bâtiments pour un usage de chauffage, climatisation et autres. Les bâtiments concernés donc, sont les écoles et l'hôtel de ville, établissements stratégiques pour la consommation d'énergie. Donc là, l'idée, c'est de faire des investissements pour réduire, pour parler clairement en fait, pour réduire la facture. Donc c'est des investissements à hauteur de 69 540 euros sur l'ensemble des bâtiments que j'ai évoqués, hein, donc mairie primaire, ancienne mairie et l'école maternelle. Et les économies d'énergie engendrées permettraient un retour sur investissement en 8 ans, selon le scénario le moins favorable. Donc là, on voit bien tout l'enjeu, c'est-à-dire qu'on a des telles envolées, bah, ça revient à ce que tu disais, Stan, des prix de l'énergie, que bah, ces investissements, finalement, sur un temps relativement court, parce que 8 ans, c'est quand même pas très important, ça permet de revenir sur investissement. Et sur 60 mois, on économiserait à peu près 36 720 euros, donc 36 mois, 3 ans, hein. Voilà. Est-ce que tu veux compléter, Bernard, ou pas? Non, ouais, ça va. Donc, est-ce que vous approuvez cette action, y compris dans l'application du décret tertiaire? Il y a des oppositions, des abstentions. Donc, je vous remercie. Ensuite, si ça concerne la demande de subvention auprès du CIDEF pour la mise en place d'un rideau thermique sur le bassin de la piscine municipale. Tu en as parlé aussi? Oui. Donc là, il s'agit en effet de limiter les coûts de chauffage de l'eau et de déperdition d'eau par évaporation. Donc il est étudié un projet d'installation, c'est plus qu'étudié d'ailleurs. Donc l'installation d'un rideau thermique rigide, donc électrique. Le CIDEF prévoit dans son programme d'aide aux collectivités pour la rénovation énergétique une aide de 200 euros par mètre carré pour la mise en place d'une couverture thermique de bassin avec un plafond de 80 000 euros subventionnable. La surface du bassin est de 250 mètres carrés, soit une subvention maximale, de 50 000 euros, devant représenter moins de 80% du montant des dépenses. Donc, le coût pour nous, ce serait 52 024 euros et 10 centimes hors taxes, et la subvention serait de 41 600 euros, soit un reste à charge pour la commune de 10 424 euros et 10 centimes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions? Des abstentions? Et en même temps, il y a la pompe à chaleur dont a parlé Bernard.
Donc la mise en place d'un réseau de chaleur à l'anglais, demande de subvention SIDEF pour la réalisation d'une étude de faisabilité. Bon, bah, c'est du coup, on en a parlé, hein, c'est pour cette fameuse chaufferie bois. Donc il s'agit bien d'une étude de faisabilité pour l'élaboration du cahier des charges de l'étude et de solliciter une aide financière auprès du SIDEF pour la réalisation de cette étude. Mais l'idée, c'est de voir si c'est viable ou pas. Voilà, pour ne pas avoir de regrets. Vas-y, vas-y du coup maintenant. Oui, je pensais, la chaudière, c'est comme ça ? Chaudière. Qui fonctionnerait au bois. Est-ce qu'il y a eu d'autres études par rapport, je sais pas, au solaire par exemple, parce qu'on en parle beaucoup, et puis on sait que si le gaz augmente, le bois, prochainement, ça sera... Il y a un risque que de l'augmentation du coût du bois aussi. Donc, dans la perspective où ça pourrait être le cas, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure solution avec le solaire ? Est-ce que vous avez étudié la question ? Alors, déjà, en ce qui concerne le bois, il faut savoir que malgré peut-être ce qu'on pense, ou en étant mal informé peut-être, mais on a été informé au cours de cette réunion d'information, c'est du bois qu'on cassait qui serait de la région pour limiter les coûts de transport. Et il faut savoir que la forêt française augmente tous les ans malgré les nombreux prélèvements. C'est-à-dire qu'il y a une politique de reboisement qui existe. En fait, on ne va pas détruire la forêt. Et il faut savoir qu'il y a aussi en Vendée, il doit y avoir 5 sites qui sont déjà avec cette chaudière collective chauffée au bois, notamment Saint-Pierre-du-Chemin, Bois-Barré. Enfin. Et puis après, en ce qui concerne le solaire, en fait, on n'a même pas eu à se poser la question parce qu'il faudrait des hectares de champs de panneaux solaires pour chauffer tous ces bâtiments. Donc on ne s'est même pas posé la question, en fait. Il y a des réflexions par le passé, hein, par rapport aux panneaux solaires. Après, on peut réfléchir sur des panneaux solaires pour des projets ponctuels, par exemple la salle de danse Gym Yoga. Mais là, on se retrouve quand même avec des consommations qui sont très fortes, très importantes. Donc il faut une complémentarité des énergies, quoi. Et puis après, c'est pareil, cette étude de faisabilité, moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle soit présentée pareil en conseil et que vous posiez toutes vos questions. Même la question par rapport à la forêt, parce que honnêtement, j'ai posé la même question que toi. Donc, il faut poser les questions pour sortir peut-être parfois des idées qui sont qui sont fausses finalement. Il nous a donné les ratios. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste, hein, donc je ne suis pas capable de te les redonner. Mais en fait, c'est infime les prélèvements qu'on a par rapport au renouvellement. Est-ce qu'il y a des questions autres ? Est-ce que déjà, vous êtes contre cette étude de faisabilité ? Vous pouvez, hein ? Non ? Est-ce qu'il y a des oppositions, donc ? Des abstentions ? Je vous remercie. Et donc, je vais laisser... Donc, la parole à l'architecte pour la salle de danse. Je vais vous laisser la place. Je vais me décaler un petit peu. Non, vous voulez pas de moi ? Bonsoir, donc Sarah Chadet, je représente l'agence DG Architectes qui a été mandatée pour réaliser le projet de la salle de danse Gym Yoga. Je vois que vous avez eu les documents de présentation de la phase d'avant-projet sommaire, donc c'est... Pardon. c'est la phase d'avant-projet avant le dépôt du permis de construire. Pour resituer le projet, l'idée était à la base de créer une salle de danse sur un site qui était à côté de la salle Omnisport de l'Anglais. Et finalement, pendant les premières études, il a été question de venir récupérer les anciens vestiaires de foot qui se trouvent donc en bas à gauche sur l'image. Là, vous voyez sur la salle Omnisport, vous avez des vestiaires qui sont accessibles depuis l'intérieur et des vestiaires qui sont accessibles également depuis l'extérieur pour en fait les terrains de foot contre la salle. L'idée, c'était donc justement de venir les récupérer, de venir faire une rénovation
et en même temps une extension pour permettre la création de la salle de danse et l'ensemble du programme. Peut-être préciser pourquoi finalement on s'oriente aussi sur plutôt cette projection-là qu'avoir un bâtiment, Jean-Michel, un bâtiment complètement indépendant par rapport à l'histoire des subventions. Oui, pardon. Oui, c'était, enfin, à la base, effectivement, ça devait être un bâtiment complètement indépendant. Et la question, en fait, des vestiaires, de l'état des vestiaires, et puis la possibilité d'intégrer, en fait, la rénovation d'une partie d'un bâtiment existant, nous permettait d'entrer dans un dispositif de subvention plus important, en fait. C'est ça l'origine, en fait, de la modification. Et pour compléter, le premier projet, normalement, on ne devait pas justement être collé à la salle de sport. Et notre projet n'a pas été retenu dans le cadre de la DETR. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et ce n'est pas un reproche non plus qu'on peut leur faire, c'est normal aussi, c'est plus facile d'avoir des subventions dans le cadre d'une rénovation que dans de la création uniquement d'un bâtiment neuf. Et c'est pour ça aussi que maintenant cette salle de danse gym yoga est accolée à la salle de sport. Et en plus, ça permet aussi de régler des problèmes d'accessibilité et sécurité en même temps. Oui, et je compléterai aussi sur le fait que, en tout cas pour le moment, l'accès au site peut se faire du coup par l'entrée côté salle omnisport de l'anglais. Et en tout cas au niveau des accès, c'est plutôt intéressant aussi de le placer là. Et puis d'éviter un étalement de l'ensemble des infrastructures, c'est pas urbainement, c'était aussi assez intéressant. Donc voilà, on est parti. On est parti là-dessus. Ce qui était intéressant également, c'est que la salle, dans son orientation, elle nous permet d'avoir une lumière majoritairement au nord, donc d'éviter les apports solaires en été trop importants et d'avoir une meilleure régulation de la salle. Et le site nous permettait quand même de mettre l'ensemble du programme correctement. Voilà. Peut-être sur le plan. Donc, vous voyez, en fait, sur la partie à droite, vous avez un premier bloc, on va dire, de rectangle qui, là, c'est, qui sont tous les locaux, voilà, tous les vestiaires de foot qu'on vient rénover entièrement, y compris la toiture, puisque, voilà... quand on est venu faire un diagnostic sur place, on s'est très vite rendu compte que les locaux étaient vétustes. Et ensuite, vous avez du coup une bande, on va dire une première bande programmatique avant la salle de danse qui vient placer tout ce qui est hall, bureau, et puis ensuite la partie dégagement avec les vestiaires et les sanitaires. Donc c'est un plan assez rationnel. On avait un programme qui était déjà bien défini. Donc ça nous a permis de répondre au projet. Pardon, je vais juste rajouter une chose, programme bien défini, parce que tout simplement on a pris le temps aussi d'écouter les besoins des trois associations qui vont être concernées. Donc avec une surface de plancher minimum, des hauteurs sous plafond. Ce qu'elles souhaitaient également, c'était des rangements. Puisque la danse, notamment avec leur costume, il leur faut de la place. Là, de mémoire, je crois que c'est stocké en haut de la mairie. Oui. Ouais. Donc, on a essayé de prendre en compte un maximum, je dirais, leurs besoins. Et DGA, l'entreprise DGA, a travaillé en fonction de tout ça. Oui, justement, ce dont on parlait, c'est que là, on est encore à l'avant-projet sommaire, donc avant le dépôt du permis de construire. Ce qui nous permet notamment de refaire des hypothèses par rapport au chauffage sur la zone. Nous, ce qu'on avait envisagé, et je pense ce qui est toujours un peu envisagé, c'est potentiellement de pouvoir avoir sur une toiture assez conséquente sur la salle de danse
En fait, on a orienté la toiture pour permettre éventuellement la pose de panneaux solaires. Ça veut aussi dire que le matériau sur la couverture, ça ne peut pas être, par exemple, une pose de bardage à joint debout, etc. C'est des... En fait, on a déjà pensé la structure et l'ossature et la couverture pour permettre éventuellement une pose de panneaux solaires. Voilà. Parce qu'on est conscient que les bâtiments vont continuer d'évoluer avec des contraintes qui vont aussi continuer d'évoluer. Donc, le but, c'est de ne pas faire un bâtiment qui vous restreint là-dessus. Pour le moment, le système de chauffage envisagé sur la salle de sport, ça reste une chaudière gaz aussi, parce qu'en fait, sur une salle de sport, vous avez des temps dans la journée où vous n'avez pas de chauffage et d'un coup, vous allez avoir une demande de consommation directe. Donc voilà, après, en tout cas, les systèmes de chauffage sont possibles en termes d'évolution sur le bâtiment. Ça, c'est... Oui, vous resterez... Oui. On en parlera à la réunion. Voilà. Bon. Moi, j'avais une question. La pente sur du toit, là, elle paraît assez faible. C'est suffisant pour mettre des panneaux photovoltaïques? Oui. C'est pas 30% de pente, non? C'est plus ça? D'accord. D'accord. Oui, je disais qu'on peut même se permettre avec les nouveaux matériaux. Autrefois, on avait une pente obligatoire. D'ailleurs, c'est pour ça que la salle polyvalente, le projet avait été abandonné, parce que la pente n'était pas bonne et l'orientation non plus. Sauf que maintenant, les nouveaux matériaux permettent justement d'avoir des pentes différentes avec des orientations pas spécialement plein sud. Donc là, on en est un peu au stade de présentation des façades. L'idée, c'était d'avoir des couleurs un peu plus chaleureuses que ce qui était à l'origine. Et puis, on a commencé à porter une réflexion aussi sur la visibilité de la salle depuis la rue Flandre-Dunkerque, qui est importante aussi. Et donc, du coup, sur une des perspectives que vous avez... qu'on vous a présenté avant, l'idée était peut-être d'avoir de nommer cette salle en fait. Là, il y a juste écrit studio, mais potentiellement peut-être de la nommer et du coup de pouvoir la voir depuis la rue Flandre-Dunkerque, puisque finalement elle se trouve de l'autre côté. Ouais, c'était un peu voilà, quand on est un peu de loin, c'est-à-dire est-ce que finalement on pourrait pas en avoir un appel là-dessus, parce que on a remarqué que là on a eu le planning un peu d'ouverture de la salle, on s'est rendu compte qu'elle était souvent ouverte, parfois en soirée, jusqu'à 23h. Ça peut permettre une visibilité de cette salle, vu qu'on n'est pas sur une zone où on a beaucoup de passages le soir. Donc là, c'est le moment des questions. Toutes les questions que vous avez, il faut les poser. Je reviens sur le chauffage, puisque vous avez abordé le... On venait de dire que voilà, c'était... On se l'est dit en aparté. Okay. On s'est dit en aparté parce que, justement, on venait d'en parler il y a un quart d'heure qu'on abandonnait le gaz. Mais bon... Non, mais ça voudrait dire que le projet, il faut le réétudier avec le nouveau chauffage. Voilà. Donc, il va être modifié, j'imagine. Bien sûr. Okay. Mais ça, bon... On a une réunion prochainement et on en parlera plus précisément. Oui, c'est des choses qui évoluent très régulièrement avant le dépôt du permis et même souvent après. Ça a tendance à se figer après. Ce n'est pas forcément un problème pour nous, un peu pour le bureau d'études qui, du coup, refait ses calculs. Mais c'est un peu dans l'ordre des choses en ce moment. Donc, du moment que ça va dans le bon sens... La toiture terrasse est prévue en quel matériau? Alors oui, vous avez une partie en toiture plate que vous voyez, donc en fait qui fait le lien avec les anciens vestiaires qui sont donc là à gauche. Voilà, ici à gauche, vous avez les anciens vestiaires de foot et ensuite vous avez une connexion en toiture béton étanchée. Donc
Là, après, on peut gravillonner aussi. Ça nous permet d'avoir une meilleure retenue, parfois, le temps que l'eau s'infiltre, par exemple. Et ensuite, vous avez une couverture métallique sur l'ensemble de la salle. Alors oui, la question était si on a des cuves pour stocker. Est-ce qu'on aura des cuves pour stocker l'eau des gouttières ? Parce que ça représente quand même une surface importante en toiture. Oui. Alors sur la récupération des eaux pluviales, là justement, on est en train de pencher dessus. L'idée, c'est déjà d'avoir un seul point de récupération de la toiture, ce qui déjà est le cas. Et ensuite, de voir si on a simplement de l'infiltration pure, il faut attendre d'avoir les études de sol pour ça. Généralement, ce qu'on fait, c'est que c'est en partie infiltré. Éventuellement, on peut prévoir une noue assez proche, mais on sait qu'il peut y avoir des débordements de ces noues. Et donc, la question, c'est plus d'avoir une partie de rétention qui permette de réguler l'ensemble des eaux pluviales avant le rejet. Pardon, excusez-moi. On avait parlé aussi du fait, pour la récupération des eaux, de pouvoir s'en servir pour tout ce qui est sanitaire. Ouais. C'est aussi dans cet esprit-là. Vous me posez une colle. Mais en fait, je suis juste en train de réfléchir sur... c'est vrai que sur les anciens, sur d'autres projets... Ça nous arrive de le faire, mais c'est souvent chez du privé et sur des équipements collectifs où on bah après, pour les autres sanitaires, il faut que je revérifie la réglementation parce que je crois qu'elle a changé très récemment et elle a été un petit peu durcie. Autant pour les autres sanitaires, c'est vrai, mais il faut dire ce qui est et ce ne sera pas une utilisation très courante. Il faut penser au fait que la grande majorité des eaux de pluie devront être infiltrées ou rejeter. Ça dépend de l'utilisation qu'on fait des locaux dans lesquels on est. C'est vrai que on l'a fait sur un projet de logement. Il faut savoir aussi que ça a un coût, puisqu'en fait, on double l'ensemble des réseaux. Puisque dans le cas où il ne pleut pas, on est quand même obligé d'approvisionner l'ensemble des sanitaires. Donc ça a un coût et après, par contre, c'est plus en termes d'hygiène, etc. On a un certain nombre de contrôles à faire. Et c'est vrai qu'en équipement recevant du public, je ne l'ai pas encore fait. Peut-être qu'à l'agence, on a le cas, mais... Ça existe dans certains établissements publics déjà avec des systèmes de filtres pour utiliser l'eau, que ce soit pour les douches. Et puis bon, les sanitaires, les WC, ça ne se présente pas, mais... Pour les douches, oui. Parce que autant pour tout ce qui est l'eau des lave-linges, etc., ça oui, mais pour les douches, ça je l'ai pas. Système de filtre. Hein. Enfin bon, oui, tout à fait. Oui, ça c'est vrai qu'avec un fait ça fonctionne, mais ouais. On le fait beaucoup pour les sanitaires et pour l'eau arriver vers les lave-linges dans les celliers, etc. Mais beaucoup en logement. Alors c'est vrai que ça rajoute du coût, certainement. Ça rajoute après, un petit coût. C'est aussi une économie sur le prix de l'eau, là aussi, qui ne va pas en diminuant. Oui. À la mairie, c'est comme ça. On a des cuves ici pour. Elles ne sont pas opérationnelles encore, mais en tout cas, le système existe. Bon, c'est un sujet qu'on n'a pas forcément trop exploité sur les phases d'avant-projet, hein, mais on pourra en discuter, mais on n'avait pas abordé ça, moi je ne me souviens pas. On était plus sur tout ce qui était chauffage, en fait, production d'énergie. On est plus dans cette logique-là. Je voyais avec Catherine qui a demandé la parole. J'ai vu Eric aussi demander la parole. Oui, donc moi, je découvre les plans de la salle. Vous n'avez pas envisagé de faire un passage entre l'ancienne salle et la nouvelle? Vous ne voulez pas relier les deux, en fait? Alors, le problème dans ces cas-là, c'est plus en termes de sécurité incendie. En fait, vous avez des réglementations en nombre de capacités d'accueil par équipement public. C'est possible dans l'absolu, ça bien sûr. Après, la question, c'est plus ce que ça crée en termes de corrélation entre les deux. C'est un peu plus complexe et généralement, on préfère l'éviter
parce que ça nous permet d'éviter déjà de surclasser la salle omnisport, qui ne serait pas sur les mêmes horaires de fréquentation. Voilà. C'est vrai que ça a été évoqué, hein. Ça a été évoqué, mais c'est vrai qu'on l'a très rapidement un peu écarté parce qu'on s'est rendu compte que déjà, on voyait peut-être un peu moins le sens à le faire. Finalement, la salle Omnisport, elle avait un programme dédié et la salle de danse en a un également qui sont proches, mais qui finalement qui n'ont pas beaucoup d'interconnexions et donc on préférait l'éviter. Et puis, je rajouterais qu'il faut aussi qu'on puisse gérer les flux parce que tout le monde n'y accédera pas finalement à cette salle-là, puisque ça reste quand même une surface parquet. Donc voilà, il faut les dissocier quand même ces deux salles. Oui, moi j'ai bien compris que les ouvertures, pour la chaleur, pour la lumière au nord, ok, mais par contre... au niveau de la salle de rangement, il n'y a aucune ouverture. Quand on va chercher quelque chose, on allume la lumière. De jour, de nuit, c'est normal. De jour, est-ce qu'il y a des puits de lumière, par exemple, de prévu? Puisque là, je ne vois pas d'ouverture. Les puits de lumière, ce n'est peut-être pas facile à dessiner. Je trouve ça un peu dommage. Est-ce qu'il y a une raison particulière? La seule raison particulière, elle n'est pas forcément la bonne à entendre, c'est-à-dire qu'au niveau économique, c'est impactant aussi, il faut le savoir. Après, c'est vrai que la question se pose réellement sur les vestiaires, notamment, parce qu'une salle de rangement, qu'elle soit dans le nord, c'est un peu moins gênant à l'usage, on va dire, même si vous avez raison aussi quand même, c'est vrai que la question se pose. En revanche, sur les vestiaires, par exemple, il y a beaucoup plus de confort quand on a un petit peu de lumière naturelle. Et là, on peut se le permettre. Donc voilà, c'est un sujet un peu à évoquer. Et surtout un sujet un peu en... On a tendance parfois à faire des projets avec quelques petits tiroirs. C'est-à-dire, si au niveau du budget, on voit que finalement, on peut se le permettre, on va le faire. Mais ce n'est pas nécessaire pour le projet en lui-même. Donc, on va le mettre un petit peu en option. On va dire, si ça rentre dans le budget, c'est fait. Si ça ne rentre pas dans le budget, ce n'est pas fait. C'est vrai que pour les rangements, la question ne s'est pas posée jusqu'à maintenant. Pour répondre sur la question à Eric, tout ce qui est rangement, enfin, notamment les costumes en général, c'est dans des salles sans lumière, au contraire. Il faut protéger de la lumière tout ce qui est tissu, etc. Si tu vas à l'opéra, c'est sans lumière. Je vous embête encore une petite seconde. Au niveau de la grande salle, toutes les fenêtres sont, les fenêtres ou les porte-fenêtres d'ailleurs sont marquées ouvrantes, sont dessinées en tant qu'ouvrant. Je pense que c'est un trait de crayon qui est venu en copier-coller. Oui, tout à fait. Enfin, tout à fait. La question, en tout cas, c'est là qu'on avait, c'était plutôt d'en garder, en tout cas, en oscillo-battant, au moins pour le confort d'été aussi. Et puis, enfin, le problème, c'est plus en termes d'acoustique. Donc là, on est en train de voir avec l'acousticien ce qu'il est possible de faire ou pas, parce que bon, même si on n'est pas dans un quartier résidentiel, on doit un affaiblissement acoustique par rapport à l'extérieur et on ne saura pas le gérer jusqu'à 23 heures. Avec des fenêtres en ouvrant, voilà. Là pour l'instant c'est encore une étude. Moi j'aimerais que au moins on puisse ouvrir un petit peu les fenêtres parce que c'est vrai. Moi je trouve que c'est quand même un vrai confort. Là on se dit que on a un dégagement par rapport à la voie. La rue Flandre-Dunkerque, c'est pas non plus un passage dingue. Ça peut être assez agréable pour moi d'avoir un cours de yoga en début de soirée où on a des fenêtres ouvrantes. Mais voilà, en fonction de l'étude acoustique et de ce que l'acousticien va nous dire de ce qui est possible de faire ou pas, ça va peut-être changer. Oui, s'il vous plaît. J'aurais deux questions. Par rapport à la terrasse et à la récupération des eaux pluviales, est-ce qu'il a été envisagé, malgré tout, une pente douce dans les deux sens pour rejoindre le captage ?
Parce que si ça reste à l'horizontale absolue, il y aura le maintien des eaux de pluie pendant un certain... Ça va stagner, alors que s'il y a une légère pente, naturellement, ils auront rejoint ce point de captage. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que là, on a, je le répète, mais on n'est quand même qu'au stade du permis de construire. Généralement, après, on fait les dessins techniques dans lesquels on doit respecter un certain nombre de règles, notamment des pentes. Alors, c'est des pentes à 1,5%, ça ne se verra pas. Donc, en fait, ce qu'on vous propose là aujourd'hui, c'est ce que vous verrez réellement. Vous n'arriverez pas vraiment à déceler une pente à 1 ou 1,5% sur l'ensemble de la toiture. Mais oui, en effet, c'est nécessaire. Et autre question au sujet de la charpente, avec une portée de 13 mètres, sont-elles en lamellé-collé? Ce sera mon bureau d'études structure de me le déterminer. Pour l'instant, nous, ce qu'on envisageait, c'était justement une salle avec des portiques, en effet, en bois, en lamellé, généralement. Après, ils peuvent nous proposer des optimisations. Ils sont là aussi pour ça. C'est des ingénieurs structure. Moi, en tant qu'architecte, je connais les bases de calcul, mais très honnêtement, c'est pas tout à fait mon métier. Donc, en tout cas, la salle serait en ossature bois. Et ensuite, toute la partie centrale avec le hall, le bureau et les vestiaires serait en béton. En fait, vous avez deux structures. Une qui reprend justement les portées parce qu'on a une salle de 150 mètres carrés. Donc voilà, avec 13 mètres à traverser en bois ou en métal. En tout cas, c'est le plus simple. En bois, c'est le plus simple. Mais ensuite, on repasserait en structure traditionnelle, on va dire, avec une structure béton pour le reste de la salle. Du programme. Et je précise aussi que pour les vestiaires qui sont en réfection, là par contre, on conserverait les voiles. Éventuellement, on aura des reprises pour la toiture sur la partie de façade, mais là ce serait juste ponctuel. Moi, je reviens sur les fenêtres qui s'ouvrent ou qui ne s'ouvrent pas. Moi, la question, c'est dans une salle de sport, des fenêtres qui ne s'ouvrent pas, pour moi, ce n'est pas envisageable parce que voilà, il faut aérer quand même. Hein, Et comment ça se passe si les fenêtres sont fermées? La circulation d'air, la ventilation pour chasser tout ce... Voilà, c'est un gymnase, hein, on sait tous comment ça sent un gymnase. Donc clairement, pour moi, c'est un peu problématique s'il n'y a pas de fenêtres, qu'on puisse pas ouvrir les fenêtres. Alors, là-dessus, vous avez quand même une réglementation aussi pour un renouvellement de l'air. Ça fonctionne un petit peu de la même manière que chez vous, c'est-à-dire que généralement, vous avez des entrées d'air dans les fenêtres et ensuite, vous avez des extractions de l'air. Donc là, ce serait le même principe. Donc vous avez, quoi qu'il arrive, on aura, même si les fenêtres sont ouvrantes, on aura toujours des entrées d'air potentiellement dans les menuiseries, enfin dans les fenêtres, parce que c'est le plus simple à mettre en œuvre sur le chantier pour les entreprises. On peut aussi mettre des entrées d'air dans les murs. Ça peut arriver. C'est un peu moins pratique, mais on peut le faire aussi. Dans tous les cas, en fait, vous aurez le balayage de l'air qui sera fait. Je comprends. J'entends ce que vous dites sur l'inconfort. Oui, parce que vous me parlez des ventilations. Chez moi, ça marche très bien. Si je fais de la gym chez moi et que j'ai envie de faire un courant d'air, j'ouvre mes fenêtres. J'attends pas que la ventilation se mette en route pendant 2 heures. Là, il y aura deux cours différents qui vont s'enchaîner. Le deuxième cours, il va... Voilà. Oui, vous avez des phénomènes de condensation surtout. Après, c'est pas tant en termes de confort, voilà. Mais en effet, généralement, le problème, c'est surtout lié à la condensation. C'est parce que l'extraction se fait pas bien, soit parce que le système n'est pas forcément entretenu parfaitement aussi. Faut se le dire. Mais ça, dans tous les cas, Le système d'extraction, normalement, est fait et dimensionné parce que vous avez un volume d'air à renouveler. Donc, vous avez, de toute façon, la capacité globale de la salle va être calculée. Donc, vous aurez un nombre d'entrées d'air, un volume d'extraction qui seront calculés par rapport à ça. Dans l'absolu, je suis d'accord qu'il y a un phénomène de condensation dans les salles de sport, notamment, parce que voilà, on transpire, on émet beaucoup de chaleur et ça arrive régulièrement.
Je ne peux pas vous dire que toutes les fenêtres sont en ouvrante aujourd'hui, parce que là, on est encore en pleine phase d'études. C'est, le but, peut-être c'est d'ouvrir au maximum, ouais. On l'entend, mais ce ne sera peut-être pas le cas. Voilà, parce que dans une salle de danse, vous avez aussi un autre problème qui est lié au bruit, aux nuisances sonores de cette salle, même si là, vous êtes dans un quartier où il n'y a pas vraiment de résidence. Mais nous, on doit respecter ça. Donc, voilà. Je veux juste rajouter aussi que les ouvrants sont beaucoup plus chers et sont beaucoup plus fragiles. Donc au niveau de l'entretien, c'est quand même un problème. Et il faudra trouver la personne qui courra après ceux qui n'ont pas fermé les fenêtres ou les portes. Donc je peux t'inviter. Après, enfin, moi j'imagine quelque chose de plutôt en hauteur avec des pas... Oui, ça peut être ça peut être à clé aussi, généralement. C'est-à-dire que ça, par contre, c'est, les ouvertures de fenêtres sont commandées par clé uniquement avec... voilà, c'est, ça, on y pense. Parce que oui, sinon, clairement, on court après à chaque fois. Est-ce que vous avez suffisamment de recul par rapport à l'ossature bois, par rapport au vieillissement, avec d'autres bâtiments, par exemple? Oui, ben après, la plupart des salles sportives... Après, vous parlez de la pérennité du bois. Le visuel. Alors, l'important aussi, c'est de choisir l'essence de bois. C'est vrai que ça a un vrai impact. Si on prend un bois qui est pas cher et qui en fait finalement va très vite, il y a des bois qui changent très peu dans le temps et qui grisent très légèrement, ça grise forcément un peu. Après, je pensais que vous parliez sur la partie ossature. L'ossature va se trouver à l'intérieur, mais en revanche, on a quelques habillages qui seraient en bois. Alors, c'est un sujet, on peut l'évoquer, c'est-à-dire qu'après, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont totalement réfractaires à ça, au fait qu'un bâtiment, le bois notamment, ça change. On ne pourra pas vous dire, je ne connais pas un architecte qui vous dirait, le bois, on en met, vous inquiétez pas, ça ne va pas bouger du tout dans le temps. Ça va bouger quand même un peu, c'est obligé. Après, l'essence de bois joue beaucoup. Il y a des qualités de bois qui font que le bois va très très bien vieillir et va avoir un aspect naturel de vieillissement, mais finalement qui ne sera pas pire qu'un enduit lorsqu'il a pris le vent, la pluie, et qui grise, qui a des coulures dessus, etc. C'est pas... le bois, il n'y aura pas ça quand même. Après, par rapport au bois, là justement, pour Catherine, c'est pareil, je pense. On navigue quand même pas mal sur le Sud-Vendée là, au niveau des inaugurations. Si je prends par exemple les établissements scolaires, la plupart maintenant là, qui sortent de terre, c'est exactement, il y a du bois. Je suis allé dans une commune dans le sud-sud-Vendée, là, près de Benet, j'ai bouffé le nom de la commune, mais enfin bref. Et non, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Le principal, c'est surtout l'essence, comme vous le disiez. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail à faire sur ça. C'est-à-dire que l'essence, je pense que parfois ça vieillit mal parce que le bois, il a été mal choisi pour des raisons économiques, en fait, aussi. Mais moi j'ai vu des projets, ça va faire quand même maintenant depuis 2015 que je suis élu à la région. Et des projets, oui, ça bouge un peu, mais on n'est pas avec du bois qui noircit et où ça fait vraiment pas propre, quoi. C'est-à-dire que parfois ça va s'éclaircir un petit peu, mais on n'est pas dans quelque chose qui vieillit. Enfin, moi je parle de mon expérience, de ce que je vois en fait en allant sur le terrain. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est à chaque fois parce que le bois, il a été mal choisi. Alors, moi, techniquement, je vais rajouter deux, trois choses. Au niveau du bois, on a une meilleure résistance au feu au niveau structurel que sur de l'acier. D'accord ? Puisque le bois, il se consume et le noyau reste intact. Alors que la charpente métallique, elle fait chewing-gum. Donc, en plus, non seulement c'est esthétique, et techniquement, c'est quand même... Enfin, pour moi, je trouve que c'est plus intéressant. Et les coulures que vous voyez... Parce que ça arrive sur les poutres, c'est un problème existentiel. C'est-à-dire que quand on fait la toiture, les bacs sont couverts d'huile parce qu'ils sortent d'usine où il est obligé d'avoir de l'huile de chaque côté. Et il suffit que le jour où on le fasse, il pleuve. Et c'est chocolat, vous avez toutes les coulures d'huile qui descendent et après c'est irrattrapable.
Voilà, c'est pour ça qu'on voit des coulures sur les poutres bois. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'on pourrait rappeler le coût prévisionnel du projet ? 800 000 euros, TTC. 800 000 euros TTC. Enfin, 791 000. J'ai peut-être oublié de préciser que dans ce coût, il y avait également les infrastructures extérieures d'athlétisme, notamment la piste, trois pistes de course sur le plan. Est-ce qu'on peut revenir au plan de masse? En fait, là, je parle vraiment uniquement de la salle de danse gym yoga. Voilà, vous avez aussi un terrain multisport, vous avez trois pistes d'athlétisme avec un sautoir en bout de piste. Donc, tout à fait. Et le terrain multisport à gauche. Oui, parce que pour rappel, on travaillait quand même sur un projet d'ensemble parce qu'on supprimait le plateau multisport pour les écoles notamment, ce qui leur sert quasiment tous les jours, avec la piste de 80 mètres. Le sautoir, donc il fallait qu'on délocalise tout ça, et donc l'idée c'était de récupérer une partie du terrain de foot pour leur laisser également l'autre partie en herbe, quoi. Donc avec le plateau sportif, donc tout compris, on est presque au million, voilà, avec les deux, en sachant aussi qu'au niveau de la surface qui est restante au niveau du terrain en herbe, ça a été vu avec les associations pour qu'on ait un dimensionnement suffisant pour qu'ils puissent exercer leur pratique sportive. Il y a le cours de tennis aussi qui est dedans. Oui, voilà, c'est la question. Oui, puis il y a un cours de tennis qui est refait aussi qui est dedans. Parce que pour ceux qui vont au tennis, il y en a un, il a grand besoin d'être fait. Donc oui, c'est un projet à 1 million. Pour dire le tout, là, c'est 1 million d'euros. C'est pas grave, hein. Oh, je vois faire une tête. Mais après, il va y avoir l'année. Là, on va une fois qu'on est sur le projet, là, donc globalement, si on est d'accord, au moins dans les grandes lignes, le permis de construire va être déposé. Ce qui va nous permettre ensuite de faire la demande de DETR. Donc subvention de l'État. Mais après, il va y avoir des demandes de subvention auprès des différentes collectivités, que ce soit le département, la région. Et donc, comme ça, quand on sera plus avancé sur le financement, on vous fera un état des lieux précis, parce que ça ne va pas coûter 1 million d'euros à la collectivité. Ceci étant, à un moment, il y a une réalité. Je pense que ce n'est pas un luxe de refaire un des deux terrains de tennis. Ce n'est pas un luxe de faire une nouvelle salle de danse gym yoga. Et ce n'est pas un luxe d'avoir un plateau sportif pour le collège, quoi. Et on en revient encore, je suis beaucoup sur le programme. Mais bon, mine de rien, ça fait maintenant plus de 3 ans et ça reste quand même la ligne de conduite. On avait bien dit que une grosse partie de nos investissements, ce serait pour remettre à niveau les infrastructures sportives. Et force est de constater, lorsqu'on voit les montants, qu'il y en a besoin. Et pour la danse, il y a quand même urgence parce qu'il y a un problème de sécurité. Donc voilà. C'est pareil, ça reste un engagement de campagne, quoi. Point. Je vous remercie, Madame Chadet, en tout cas. Non, c'est très très bien. C'est pas un exercice forcément agréable, mais oui, ils sont gentils. Ils sont gentils. Parfois, ça fait ça, mais en fait, ils sont sympas. Non, en tout cas, on vous remercie. En vous souhaitant une bonne soirée. Juste pour terminer sur ce projet-là, moi, j'étais interrogé par les professeurs d'EPS et notamment du Collège de l'Anglais. Parce que finalement, ils utilisent le terrain en herbe et puis ils s'interrogent sur l'utilisation, enfin,
comment ils peuvent utiliser les vestiaires demain. Alors, ben, c'est vrai que les vestiaires du foot, ils vont plus exister. Aujourd'hui, ça va être compliqué d'aller sur des sur un terrain en herbe, de rentrer avec des chaussures sales, par exemple, dans les vestiaires de la salle de danse, parce qu'il faut que ça reste des endroits propres. Donc, on a pris le temps avec avec Bernard et Christelle de revisiter la salle de sport et essayer de remanier un peu les vestiaires et faire en sorte ben, que ceux qui utilisent les infrastructures sportives extérieures puissent utiliser les vestiaires de la salle de sport. Donc c'est vrai qu'on parle d'investissement pour le sport, mais finalement, et quand on fait le tour, on se rend compte que bah, il en faudra bien d'autres parce que la salle de sport de l'Anglais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de boulot à faire là-dedans. Bon, est-ce que avant de passer au point suivant, je voulais alors voter, c'est pas voter forcément le. C'est plus le projet global, en fait, parce qu'on va déposer un permis de construire. Alors, vous avez bien compris, il peut y avoir des petits changements à la marge, mais au moins pour savoir si tout le monde est d'accord sur ce projet-là, pour qu'on puisse déposer le permis de construire et faire la demande de subvention. Après, c'est vrai que c'est difficile de le dissocier du coup, hein. Donc après, on peut faire un vote global, mais je pense que ça peut être intéressant que chacun se positionne par rapport à un projet structurant. On l'a fait à l'époque pour le terrain de gazon synthétique. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant de faire la même chose pour cette salle de danse gym yoga. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Donc, projet adopté à l'unanimité. Et quand on aura plus de visibilité au niveau des financements, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Voilà. En tout cas, je vous remercie de cette unanimité pour les associations qui vont l'utiliser prochainement, cette infrastructure. Enfin, ces infrastructures, en l'occurrence. J'ai perdu mon DGS, donc je vais... C'est pas grave. Hein. Donc, demande de subvention auprès de la CAF pour la construction d'un accueil jeunesse. Alors, vous me laissez juste le temps de prendre la délibération, j'arrive. Donc je vais présenter globalement parce que c'est intéressant, parce que mine de rien on en parle pas mal, mais de replacer un petit peu aussi ce projet hein, qui va commencer en début d'année prochaine. Donc là celui-ci par contre il est cranté, on a eu des subventions, je vous en ai parlé lors du dernier conseil je crois parce qu'on avait eu le fonds vert. Donc là ça c'est un projet qui va sortir, qui va commencer courant janvier quoi. C'est ça Bernard ? Oui. Ouais, on est bien d'accord. Donc je rappelle que dans l'objectif de parfaire des actions en faveur de la jeunesse, je pourrais même dire des jeunesses aussi, il convient désormais de matérialiser un accueil jeunesse dans un établissement précis qui va permettre l'accueil des jeunes avec un point info jeunes aussi, doté de matériel et d'un encadrement. Donc ce point info jeunes, il sera donc positionné. Et la réalisation de cet espace jeunesse permettra d'accueillir des jeunes de 11 à 17 ans dans le cadre d'animations organisées par le service jeunesse culture et sport, hein, donc Louis, donc de la commune, et les 18-24 ans par l'intermédiaire d'une association. L'articulation des accueils s'effectuera dans le cadre d'une convention avec la CAF, prestation sociale jeune, et sous le contrôle du service municipal. Il est prévu de réaménager un bâtiment existant désaffecté. Un marché de maîtrise d'œuvre a permis le recrutement d'un maître d'œuvre accompagné d'un bureau d'études de structure et d'un bureau d'études fluide. Cette réhabilitation poursuit plusieurs objectifs. Hein. Mise en œuvre des obligations de sobriété énergétique des bâtiments publics. On en a parlé, on a commencé le conseil municipal comme ça. Il est également prévu donc, la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture exposée au sud en autoconsommation. La mise en accessibilité PMR du bâtiment et des sanitaires. Et devenir le point de repère à destination des jeunes du secteur de Saint-Hermine. Axé sur l'information, le dialogue, la cohésion et la responsabilisation. Il est donc proposé de solliciter donc la CAF au titre de son programme d'aide financière à l'investissement pour financer les travaux de réhabilitation de ce bâtiment communal situé à Richambeau et destiné à accueillir l'espace jeunesse de la commune. Donc cette opération est estimée à 280 000 euros hors taxes, maîtrise d'œuvre comprise,
et conformément au programme de la CAF en vigueur et compte tenu du nombre de places d'accueil créées, il est proposé de solliciter une aide de 49 200 euros, dont 40% sous forme de subvention, soit 19 680 euros, et 60% sous forme de prêt à taux zéro, soit 29 520 euros remboursables sur 3 ans. Donc c'est 6 ans maximum. Et donc il est demandé au conseil municipal de s'exprimer, savoir si vous êtes d'accord pour solliciter cette aide financière. Est-ce qu'il y a des questions au préalable ? C'est un sujet dont on a parlé, mais oui, vas-y. Non, simplement pour dire que c'est un beau projet et puis finalement, voilà. Et que l'opportunité d'une subvention supplémentaire, il ne faut pas non plus faire la... Il faut se saisir de cette opportunité, pardon. Tout voilà. À fait. Après, je pense aussi qu'on a... Enfin, je ne sais pas que je pense, j'en suis sûr. On a ces subventions CAF parce qu'on a une politique jeunesse structurée. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement parce qu'on fait une maison... pour accueillir des jeunes. C'est que derrière, il y a un service jeunesse. Parce que derrière, on essaye de mettre un point info jeune. Ça, c'est pareil. Des points info jeunes, c'est loin. Il y a pas beaucoup de communes qui en ont. Et pourtant, c'est important. D'autant plus dans le contexte actuel. Hein. On est sur une période post-Covid avec... il peut y avoir aussi des fragilités pour certains de nos jeunes. Hein. Donc, c'est important aussi d'avoir un lieu d'écoute. Un lieu où on peut avoir des informations. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. On va passer au schéma intercommunal de la lecture publique. Donc là, c'est plus les affaires réglementaires. On a passé donc tous les projets structurants, donc qui renvoient finalement à des priorités, hein, soit le développement durable, le sport, la jeunesse. Là, on va passer à des choses plus classiques, on va dire ça comme ça. Donc, schéma intercommunal de la lecture publique, adhésion de la commune. Bon, c'est déjà dans la délibération, hein, c'est assez clair. Donc, il s'agit d'approuver l'entrée de la bibliothèque Joseph Martin dans le réseau intercommunal, d'accepter l'installation du logiciel par le prestataire ainsi que les formations liées, d'harmoniser les abonnements gratuits et les tarifs de remboursement de documents perdus avec l'intercommunalité, d'accepter la circulation des documents départementaux, intercommunaux et communaux entre les 20 bibliothèques et de m'autoriser à signer les différents documents. En gros, c'est d'inscrire la bibliothèque Joseph Martin dans le réseau des bibliothèques de Sud-Vendée Littoral, pour faire les choses simplement. Est-ce qu'il y a des remarques ? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions. Je vous remercie. On continue. Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'assainissement collectif. Je laisse la parole à Bernard Borger. Pardon, vous l'avez eu en pièce jointe. Hein, ça représente une vingtaine de pages. C'est le rapport, comme son nom l'indique, que nous recevons tous les ans. Sur les différentes analyses faites au niveau de la station d'épuration, sur les réseaux, les postes de relevage. Donc, je vais vous faire un petit résumé. Donc, pour l'exercice 2021, le rapport élaboré sur la base du rapport annuel du délégataire fait apparaître une légère augmentation du nombre d'abonnés de 2,5%, ce qui correspond au lotissement évidemment. 1334 contre 1301 en 2021. Et une baisse des volumes facturés, ça c'est parce que les gens économisent de plus en plus leur eau potable, passant de 103 920 m3 en 2021 à 91 687 m3 en 2022. Le linéaire, je rappelle que le linéaire de collecte sur Saint-Hermine est de 30 km. C'est-à-dire que ça correspond aux longueurs de réseau. L'analyse des rejets de la station d'épuration réalisée par le laboratoire d'analyse du conseil départemental montre une conformité sur l'ensemble de l'année. Il est rappelé que la capacité de la station d'épuration est de 2250 habitants. Depuis 2008, une partie des rejets supplémentaires est donc délestée sur la station du Vendéopôle, ce qui correspond à 33 413 m3 en 2022. La quantité de boue produite est en nette augmentation en 2022 en raison de l'après-crise sanitaire, 1260 m3 en 2021 contre, je pense qu'il y a une coquille, c'est 14 000, ça me paraît énorme. Je mettrais plutôt 1438, ça doit être ça. Hein. Ces boues font l'objet d'épandages agricoles quand c'est nécessaire, depuis très longtemps d'ailleurs.
pour la partie financière, il est rappelé que la participation pour l'assainissement collectif est maintenue en 1210 euros. C'est-à-dire que c'est la taxe que tout nouveau raccordé paye. Nous l'avons maintenue en 2022 par délibération du conseil municipal d'octobre 2021. Je vais me permettre de rajouter, par rapport aux travaux que vous voyez peut-être d'ailleurs, avec notre nouveau délégataire, on a une politique de recherche des eaux parasites. Hein. Les eaux parasites, c'est quoi ? C'est les eaux pluviales qui vont dans le tout à l'égout. Et donc, il se peut que vous soyez concernés, mais notre délégataire fait des campagnes de recherche de conformité. On en a régulièrement. Dans l'ensemble, les installations sont conformes, mais il y a quand même quelques cas où, justement, il y a des rejets de pluviales qui s'en vont dans le tout à l'égout. Ça peut paraître anodin, mais quand vous voyez une capacité d'accueil d'une station d'épuration, ça peut aller... Alors, on fait ça au niveau des particuliers, mais on le fait évidemment au niveau des réseaux, parce que on a l'an dernier renouvelé 80 mètres de conduite qui n'étaient plus étanches dans le pré derrière l'anglais. Et puis là, on va travailler avec le bureau d'études sur... il y a l'espace Richambeau qui n'est pas du tout étanche. Alors imaginez en ce moment les volumes que ça représente. Donc là, on a reçu des devis, on va travailler dessus pour justement étancher au maximum notre réseau qui est quand même très vieux. Il est des années 70, souvent de fois en amiante ciment. Donc c'est un matériau qui s'use très rapidement à des profondeurs conséquentes. Donc on est en plein projet de justement diminuer au maximum ces eaux parasites. Comme j'ai dit tout à l'heure, les volumes d'eau, la station d'épuration étant au maximum de son volume acceptable, le volume supplémentaire s'en va à la station d'épuration du Vendéopôle, ce qui représente quand même une cotisation, enfin, un coût aussi pour la commune. Donc on a tout intérêt, y compris chez les particuliers, à travailler sur ces volumes d'eau parasites qui sont énormes, quoi. Et on le voit très bien avec les courbes de pluie, où là on a des augmentations de volume d'entrée de stations d'épuration. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de vote là. C'est une présentation. J'ai vu que les eaux, justement, les eaux pluviales, c'était 55 000, je crois, oui, c'était en augmentation, justement. Donc là, avec la situation actuelle, je crains que ça soit autre chose. Si on étanche le réseau Espace Richambeau, on va gagner énormément, quoi. Mais on va le faire, évidemment. On ne peut pas d'un côté... Pardon. On ne peut pas d'un côté obliger les particuliers à se mettre en conformité, puis nous, ne pas le faire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Non ? Concernant les volumes exportés sur le Vendéopôle. Oui, je disais concernant les volumes exportés sur le Vendéopôle. Donc c'était précisé là dans la vue 12 là sur les justement sur les rejets parasites que le rapport de la SOR ne mentionnait pas en 2020-2021. Et donc du coup là, est-ce qu'on les a là ? Parce que oui. Je l'ai pas vu honnêtement. Oui, oui, tout à fait. Je l'ai pas cherché. Notre nouveau délégataire, on lui a chargé cette mission justement. De travailler dessus, et un délégataire qui est présent depuis 47 ans, qui s'en va, il n'est pas très... avec le nouveau délégataire, c'est bon. Il y a des obligations, mais il ne participe pas trop à l'effort. Donc au niveau des chiffres, il vaut mieux qu'on parte avec des nouveaux chiffres. Du coup, on les aura, ces volumes exportés OK. Moralité, il faut regarder de l'avant. Voilà. D'accord ? Ça sert à rien de regarder le passé, même quand on est attaché à l'histoire. Ma question, c'était pour l'avenir. Oui, mais j'ai bien compris. Mais je le sais, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut regarder vers l'avant. On continue. Donc, proposition de charte sur la gestion des déchets et nomination d'un référent.
Donc l'objectif ou les objectifs de cette charte sont les suivants. Développer la culture de la prévention des déchets pour qu'elle s'inscrive dans le quotidien de tous. Accompagner les communes dans l'évolution des pratiques pour mieux trier et réduire les déchets. Et permettre à chaque commune d'être actrice et de fédérer les usagers autour de la prévention des déchets sur le territoire. Donc pour chaque commune, il faut un référent élu et un référent agent. Donc pour le référent élu, on vous propose Francis Beaufour. Et pour le référent agent, on vous propose Ludivine Blu. Alors pourquoi Ludivine Blu et pas quelqu'un des services techniques? C'est parce qu'il y a tout un travail à faire sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et comme elle est en lien direct avec celle qui s'occupe de la pause méridienne, en fait, hein, c'est logique que ce soit elle. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? Il y a des oppositions? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Ensuite, avis de la commune concernant la phase arrêt du plan local de l'habitat. Donc, c'est un sujet que je connais un petit peu. Je vais pas revenir sur tout le plan local de l'habitat. Comme vous le... Alors, attendez, juste... Non, c'est quoi, comme je suis vice-président en charge de l'habitat, au niveau de la communauté de commune, je me posais la question s'il fallait que je vote ou pas. Voilà, mais si. Donc ce PLH, il a été engagé, même la politique de l'habitat de manière globale, il a été engagé en 2020. Et donc il faut 3 ans à peu près pour faire un plan local de l'habitat. Donc on arrive aux 3 ans. Et en même temps, on avait fait une OPA, hein, une opération programmée l'amélioration de l'habitat, dont la vitrine, vous la connaissez, hein, c'est le guichet unique de l'habitat qui est mis en place depuis février. Avec cette idée, finalement, que le particulier, lorsqu'il a des travaux à faire, soit de rénovation énergétique, d'accessibilité, que ce soit un bien propre d'ailleurs ou un bien qu'il veut louer, c'est assez compliqué de s'y retrouver, hein, avec toutes les aides concernant l'habitat. Ça change aussi très régulièrement. Et donc l'idée, c'est d'avoir un guichet unique, c'est-à-dire une personne qui va dispatcher les gens vers tel ou tel intervenant. Et puis après, aussi mettre en lien la personne avec un partenaire qui peut faire des visites sur place pour travailler le projet. Je le dis parce qu'il n'y a pas que le plan local de l'habitat, finalement, c'est un tout. Alors comment on a travaillé? Donc c'est de la page 2 hein, de votre note normalement. Enfin, la deuxième partie. Donc, on a fait une phase diagnostique, donc qui analyse finalement le fonctionnement du marché local du logement, les conditions d'habitat et d'hébergement sur l'ensemble du territoire. Donc, vous imaginez bien que sur un territoire comme Sud-Vendée Littoral, hein, si on met de côté les communautés urbaines, les communautés d'agglo, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, c'est la plus grande communauté de communes de la région Pays de la Loire. D'accord ? Donc, avec des bassins de vie qui sont différents. Forcément, les problématiques ne sont pas les mêmes entre le littoral et puis le pays l'ancien pays de Saint-Hermine. Si je prends par exemple l'ancien pays de Saint-Hermine, il y a des problématiques. Il y en a une, par exemple, mais si vous avez pris le temps de regarder, hein, c'est très complet. C'est on manque de T2, de logement pour les jeunes actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune actif qui part de chez ses parents, qui veut se loger, qui commence à travailler, aujourd'hui, il y a un trou dans la raquette. Il n'y a pas assez de logements pour ces jeunes sur notre territoire. Et donc là, par exemple, ça, c'est un point d'amélioration. Donc ça, c'était dans le diagnostic. Après, on passe aux orientations. Donc ça se passe aussi par des réunions publiques sur les différents bassins de vie. Ça passe par des rencontres avec les maires, avec les élus. Ça passe par des commissions habitat. Donc les orientations donc, qui définissent les objectifs prioritaires et les principes de la politique locale de l'habitat, à savoir donc, tout ce qui est production de foncier. Donc, comme j'ai l'occasion de le dire, on a en fait un nombre de logements qu'on doit produire. Ce n'est pas un plafond de verre. Je le dis même au maire de Sud-Vendée Littoral, parce que parfois, ils considèrent que c'est une limite. Non, c'est des objectifs, en fait. On a un certain nombre de logements qu'on envisage de produire sur notre territoire. Donc après, on les répartit en fonction des bassins de vie. Et on les répartit de quelle manière? Par rapport au nombre de permis de construire qu'il y a pu y avoir ces 10 dernières années,
par rapport au dynamisme aussi de ces territoires. Donc c'est, et après, c'est des objectifs. Un plan local de l'habitat, ça dure 6 ans. Et au milieu du plan local de l'habitat, on fait un point, en fait, pour savoir où on en est, si finalement on suit ou pas ces objectifs. Après, on a les parcours résidentiels et la mixité sociale. Donc, parcours résidentiel, j'ai pris un exemple concret là, avec les jeunes. La question de la mixité sociale, il y a la question aussi de la production de logements sociaux. Donc, on définit telle ou telle commune va avoir tel ou tel nombre de logements sociaux à construire. L'amélioration du parc existant. Donc ça, ça passe aussi par des choses comme le guichet unique de l'habitat. Les besoins non couverts par les marchés immobiliers. Hein. Donc le développement d'habitat solidaire pour apporter des réponses adaptées aux besoins spécifiques. Et puis le pilotage de la politique de l'habitat. Donc ça, c'est les orientations. Donc tout ça, on en parle lors de réunions publiques et après on passe au programme d'action. Et ces actions font l'objet de 14 fiches actions détaillées hein, qui comportent les moyens à mobiliser, qu'ils soient humains, financiers, techniques, à mettre en œuvre pour les réaliser. Et pour les réaliser, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr la côté de commune qui met de l'argent, mais on a aussi le département, on a aussi la région. On a la DIL, on a l'ANA, enfin on a différents partenaires qui sont là. Après, même pour les rencontres sur les territoires, parce qu'il y a des permanences en fait. Si vous voulez, il y a le guichet unique de l'habitat à Luçon, mais après on a des permanences sur chacun pôle de centralité. Par exemple, vous avez au moins une permanence par mois à Saint-Hermine, je crois que c'est deux même d'ailleurs. Ouais, ça dépend en fait. Mais là, c'est on passe par un prestataire qui fait ce travail en fait d'explication auprès des gens. C'est ATIS, voilà, je suis en train de chercher le nom. ATIS Habitat. Donc là, c'est pareil, ça passe par un marché et après on retient tel ou tel. Et pour le plan local de l'habitat, on est passé par un autre prestataire qui s'appelle Solia, qui a travaillé avec nous pour plan local de l'habitat. Vous n'avez pas une collectivité qui travaille toute seule, comme ça. Ce n'est pas Philippe Barret tout seul avec les services qui va se lancer dans la construction d'un plan local d'habitat. C'est trop complexe. On est obligé de travailler aussi avec un prestataire. Donc là, en l'occurrence, c'était Solia. Et après, pour l'animer, c'est un métier, hein, là, c'est pareil. On passe par un prestataire. Donc là, en l'occurrence, ATIS. Voilà. Et donc là, on passe dans la phase... de consultation des différentes communes. Donc ce qui se passe là, ça va se passer dans les 43 communes de Sud Vendée Littoral. Et l'objectif, c'est d'avoir l'avis des communes avant que ça passe en conseil communautaire et après que ça passe dans une commission départementale. C'est un peu comme un PLUI. C'est-à-dire que la présidente, Madame Hibert, alors je serai peut-être probablement avec elle, on va passer devant une commission départementale. Je fais simple, hein, mais pour avec différents partenaires associés, il peut y avoir la Chambre d'agriculture, il peut y avoir la DDTM, donc le service de l'État, pour défendre en fait ce plan local de l'habitat et voir s'il est bien en conformité avec le schéma de cohérence territoriale et le plan local d'urbanisme intercommunal. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous expliquer un peu les différentes démarches. Je vous ai endormi. Merci Eric. Merci. Je te remercie. La prochaine fois que j'aurai besoin de réconfort, je viendrai sonner à ta porte. C'est la valorisation du parc existant là, sur lequel il y a 60% du. Ben en fait, si budget. On. Attends, vas-y, termine, excuse-moi. Oui, sur il y a 60%, ça représente 60% à ce qu'ils appellent l'orientation 3. Là. C'est-à-dire que si on prend Sud Vendée Littoral, on se retrouve avec un parc immobilier qui est assez ancien. Donc il y a tout un travail à faire en termes de rénovation énergétique, même d'accessibilité, parce que qui veut dire parc ancien veut dire aussi personne qui parfois se trouve avec des maisons assez grandes. Hein. Ou des maisons qui ne sont pas adaptées en fonction de l'avancée dans la vie. Donc ça, c'est une particularité, ouais, une spécificité de notre territoire. Merci Eric.
Merci beaucoup. Ça me soulage, vraiment. Bah oui, mais moi, le Scott et le PLU, ça, c'est pas moi qui invente. Hein. Et pour aller dans le sens de Bernard, pas de, d'Éric, c'est vrai, j'avais souligné aussi que l'amélioration du parc existant occupait une part du budget extrêmement importante, puisque c'est vrai, près de 60%. Mais quand on regarde les autres documents, on s'aperçoit qu'il y a des habitats très anciens, avant 1919, et de 1919 à 1940 et quelques, qui occupent quand même un pourcentage. Donc il y a beaucoup d'habitats vétustes, carrément, on peut le dire. Hein. Donc c'est une réhabilitation carrément de cet habitat. Alors faudra-t-il aussi que les gens s'adressent au guichet unique aussi pour avoir accès à ce budget. Quelquefois, donc, il y a des prescriptions médicales qui nécessitent l'aménagement du saldo, par exemple. Eh bien, le guichet unique de Comcom Sud Vendée Littoral permet de, effectivement, ça facilite les démarches, en fait. Parce que tu t'adresses qu'à une seule personne. Et ensuite, effectivement, voilà. Là, pour prolonger, là, pour donner un exemple concret pour tous vous tous et pour Eric. Si on prend le Sud Vendée, par rapport au début de l'année 2022, c'est ce territoire qui a connu la plus forte baisse au niveau du chômage. La plus forte, un taux de chômage qui a baissé de 1%. Parce qu'on parle souvent du Nord Vendée, mais moi j'ai envie de parler du Sud Vendée là. Parce que la plus forte baisse au niveau du taux de chômage, c'est dans le Sud Vendée. On est à 6,1%. Et lorsqu'on s'adresse, alors là c'est ma casquette de conseiller régional, parce que je suis coprésident du CLEFOP, bon, bref avec le sous-préfet, je passe le CLEFOP, mais sauf que ça va avoir un lien. Le principal frein aujourd'hui à l'embauche, on pourrait dire que c'est la formation, sauf que là aujourd'hui le principal frein sur notre territoire c'est le logement. C'est-à-dire que là les entreprises elles n'arrivent pas à recruter dans certains endroits parce qu'il y a des problématiques de logement. Il n'y a pas assez de location sur le territoire. Donc là, l'action qui est par exemple menée en lien avec l'État, la région, la communauté de communes, l'idée, c'est d'avoir ce guichet unique. Je suis propriétaire, bailleur, j'ai un bien, je ne sais pas comment faire pour obtenir des aides pour le rénover. Mais voilà, il y a le guichet unique. Je m'adresse à une personne pour le remettre en état, pour justement essayer d'avoir de plus en plus de logements qui arrivent sur le marché de la location. On a la même chose, là on va être le premier territoire de Vendée à le tester là. Donc là c'est pareil, c'est une action qui est menée avec madame la sous-préfète et donc la région, donc avec moi. C'est l'hébergement temporaire chez l'habitant. On parlait des grandes maisons. Là on se retrouve avec des grandes maisons parfois dans des zones où il y a des productions de melons. Donc là c'est pareil, ça passe par une intermédiation locative. Donc là en l'occurrence c'est Escale Ouest, parce que c'est un métier là encore, et c'est eux qui font le lien entre les propriétaires et les saisonniers. Et en fait c'est tout ça finalement l'habitat. C'est, on part en fait d'une politique, d'un cadre au niveau de la communauté de communes, mais après vous avez plein d'interactions avec les différentes collectivités. Et c'est pour prolonger, pour donner des exemples aussi concrets sur le territoire. Voilà. Merci, Eric. Est-ce qu'il y a donc d'autres marques ? Donc, qui est contre ce plan local de la Vita ? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je vous remercie. Ça veut dire qu'on a bien travaillé. À la côté de commune. Affaires financières, tarification applicable pour les hébergements temporaires des médecins remplaçants internes et autres professionnels de santé. Je vais laisser la parole à Catherine Ménard. C'est bon, Catherine ? C'est bon. Alors, monsieur le maire, à ce titre, la chambre sera réservée aux médecins, même en son absence, si l'utilisation dépasse 2 nuits par semaine. Autres professionnels de santé remplaçants, 20 € la nuitée ou 250 € par mois. Monsieur le maire demande au conseil municipal de statuer sur cette proposition. Mmh.
Est-ce qu'il y a des remarques? Non. J'insiste quand même sur le... Parce que là, en plus, c'est l'avantage, c'est que c'est filmé. Donc, tout le monde, les gens peuvent repasser. Sur le fait que la commune, parfois, ça peut arriver, très rarement. Mais ça me laisse un peu chafouin quand on me dit que la commune ne fait rien pour la santé. La maison pour accueillir des internes, c'est quand même 180 000 euros. On a eu donc une aide du département, mais pour la collectivité, c'est 175 000 euros, je crois, en tout. 165 000, pardon. Mais 165 000 euros, c'est quand même pas rien, quoi. On regrette pas ce que l'on fait. L'objectif, c'est de permettre à des internes de venir sur le territoire, de faciliter aussi ces problématiques de logement, hein. Mais on peut pas dire que la commune fait rien. Ou alors, si c'est rien, 165 000 euros, on n'a pas le même rapport par rapport à l'argent. Clairement. Je le dis simplement, mais ça m'est arrivé deux fois, en fait, hein, depuis que je suis élu, d'intervenir sur mes réseaux sociaux par rapport à ce sujet-là. Parce que les yaka faucons par rapport à la santé, il y en a plein. Sauf que la problématique de la santé, c'est complexe. Et on se retrouve quand même, lorsqu'on est maire, à gérer une problématique où on n'a pas une compétence directe sur la santé. Donc j'en profite pour le dire. Comme ça, ceux qui me réinterpelleront sur le sujet, qui s'interrogent, ils pourront regarder ce conseil municipal. Voilà. Pour préciser, actuellement, on a un interne qui loge à la maison des internes, enfin, la maison médicale. Et on a aussi la remplaçante du docteur Armand. Et on a hébergé aussi un étudiant en pharmacie. Voilà. Donc, mais là, l'interne est là pour 6 mois, voire peut-être 1 an. Donc, non, mais c'est très bien. Déjà, c'est... Je ne regrette pas du tout. Mais c'est juste... parfois, c'est bien de remettre les points sur les i quand même. C'est tout. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Bon, j'imagine que vous êtes... Enfin, remarquez, j'en sais rien. Je dis rien. Est-ce que... Il y a des personnes qui sont opposées à cette tarification. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Donc, un 12e point. Donc, décision modificative numéro 1 du budget principal et des décisions modificatives des budgets annexes. Je vous laisse la parole, Jean-Michel. Alors, vous avez dans vos dossiers 3 documents de couleurs différentes. Un papier blanc, un papier bleu et un papier violet. Donc on va commencer par le blanc. C'est la décision modificative numéro 1 du budget principal de la commune. Donc on est en fin d'année, on ajuste les comptes. Et donc en fait... Alors, je peux le faire ligne par ligne, je ne sais pas si vous le souhaitez. En tout cas, on va rassembler, en fait... Je ne pense pas. Sincèrement, on ne va pas faire ligne par ligne. S'il y a des questions sur une ligne, vous le dites. Mais non. Enfin, on ne va pas passer ligne par ligne. S'il y a des questions sur un point, vous posez la question, mais vous présentez de manière globale. Voilà. Alors, il y a eu... c'est vrai que vous avez reçu les documents, en fait, il y a plus de 15 jours... Dans la note. Alors, il y a eu quelques ajustements supplémentaires suite à, évidemment, à l'évolution de l'exécution budgétaire. Globalement, en fait, ce qui a été décidé, ce qui vous est proposé, en fait, c'est une augmentation de crédit suite à l'inflation, et notamment l'inflation de tout ce qui est énergétique, électricité et gaz. Principalement, mais également le petit matériel. Ce qui vous est proposé également, c'est d'augmenter les crédits sur tout ce qui est lié aux frais de personnel. Donc, c'est les articles qui commencent par 63 et 64. Donc, voilà, on a eu quelques augmentations de frais de personnel qui n'étaient pas prévues au moment de la prévision budgétaire. On a notamment un remplacement d'un temps partiel thérapeutique. On a eu des CDD supplémentaires qui n'étaient pas prévus en fait, cet été suite à des,
des absences maladies ou également deux CDD supplémentaires sur la pause méridienne pour remplir nos obligations vis-à-vis de la CAF et notamment de la convention que vous avez décidé de valider en fait en juin dernier. On a également une augmentation du temps de travail d'un animateur sur l'espace jeunesse et la reprise à temps complet d'un agent, une reprise à temps complet de droit. Donc voilà, on est en fait augmenté en fait l'article 68.11 d'une augmentation de crédit pour les amortissements de biens. Donc ce sont des opérations d'ordre qu'on va retrouver en fait en recettes d'investissement. On se retrouve avec une augmentation des dépenses de fonctionnement de 108 445,87 €. Ils sont équilibrés avec la section recettes de fonctionnement à la même hauteur. Donc on a des crédits supplémentaires qu'on a pu mettre en recettes puisqu'on a obtenu des recettes supplémentaires dont on n'avait pas connaissance en fait au moment du vote du budget supplémentaire, et notamment les droits de mutation à titre onéreux pour 92 000 €. On a eu quelques ajustements de comptes également sur cette partie-là. Et on a également la prise en compte des opérations du budget lotissement sur les coteaux du Mani. En fait, on avait prévu dans l'élaboration du budget primitif en fait une clôture, puisqu'il ne reste plus qu'un terrain à vendre sur ce budget-là. On avait prévu une clôture de ce budget-là, sauf que ce terrain n'étant pas vendu, en fait, on est obligé de le réintégrer dans le budget lotissement. C'est pour ça qu'on a une DM sur le budget lotissement qu'on va voir juste après, et on a des éléments en fait qui impactent le budget principal, dont notamment en recettes de fonctionnement, sur la partie reversement excédent du lotissement des coteaux du Mani, donc il convient de retirer 754,13 €. Donc on a une section de fonctionnement qui est équilibrée à 108 445,87 €. Sur les dépenses d'investissement, donc on réajuste quelques crédits, il y a des opérations qui ne sont pas réalisées, donc on peut retirer quelques éléments. On fait un ajustement de compte, c'est la dernière ligne, intégration d'études pour 50 000 €. C'est une opération d'ordre qu'on retrouve en recette d'investissement également. Donc c'est des études qui n'ont pas donné lieu à travaux. Donc on réintègre dans le chapitre 21 de manière à récupérer la TVA dessus. Donc voilà, on arrive à une opération, à une section d'investissement dépenses de moins 34 000 €. Équilibré avec une section recettes d'investissement de moins 34 000 €. Là, vous retrouvez les intégrations d'études, les opérations d'ordre pour 50 000 €. Et vous retrouvez également la suppression des remboursements d'avance du lotissement Les Coteaux du Mani pour 46 945,87 €. Est-ce que vous avez des questions ? On vote ou vous votez ? Je ne sais pas, à mon avis, il y aura des questions. Il n'y a pas de questions ? Bon, il n'y a pas de questions. On va voter budget par budget alors. Ouais. Ben, donnez-moi les budgets. Donc, budget principal, la décision modificative concernant le budget principal 2023. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions. Je vous remercie. J'ai pas fait encore. Ah, pardon. Donc la DM concernant les coteaux du Mani 2023. Donc on l'a fait tout de suite après puisque elle concerne en fait des opérations qui sont en lien avec le budget principal. Donc sur les dépenses de fonctionnement, il vous est proposé d'inscrire moins 754,13 € sur les reversements de l'excédent, et sur les recettes de fonctionnement, il vous est proposé de retirer 47 700 € qui correspond à la vente du dernier terrain et de constater le stock de terrain de fin d'année pour 46 945,87 €. Ça nous fait une opération de fonctionnement équilibrée à moins 754,13 €.
sur les dépenses d'investissement, il vous est proposé de retirer les moins 46 945,87 € qui correspondent à un remboursement de l'avance au budget principal. Et donc de reconstater à nouveau le stock de terrain restant de 46 945,87 €. Donc c'est une opération qui s'annule en investissement. Il y a peut-être des questions ? Non, pas de questions. Par rapport à la décision modificative concernant le budget lotissement Les Coteaux du Magny, est-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Et une dernière décision modificative concernant le budget assainissement 2023. Donc, il vous est proposé de modifier des crédits, de modifier des comptes. Donc, sur le compte 6226, donc un honoraire d'intégrer 8 000 €, et de supprimer sur le compte charges diverses de gestion courante 658, 8 000 €. C'est un transfert de compte. On est obligé de passer par une DM. Ça correspond en fait à l'étude en cours pour la révision du plan d'épandage. Voilà. C'est le même ? J'ai déjà vu. Donc, concernant la décision modificative concernant le budget assainissement, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Allez, on arrive au sujet consensuel. Point 13. Demande de subvention à caractère social au GEC Sainte-Marie. Donc, il est rappelé, donc, la commune organise depuis la rentrée 2018 l'activité périscolaire de l'ensemble des écoles publiques et privées. Toutefois, pour des raisons historiques, le temps de la pause méridienne, repas et surveillance de cours est à la charge donc, de l'OGEC pour l'école Sainte-Marie, qui mutualise l'organisation du repas avec le collège Saint-Paul. Donc, la commune organise quant à elle la pause méridienne des écoles publiques de la commune et au regard du coût de la surveillance à la charge de l'OGEC, donc 25 932,96 € pour l'année 2023-2024, il est proposé d'accorder une subvention à caractère social à l'OGEC Sainte-Marie. Et comme j'ai pu l'évoquer les années précédentes, j'estime que sur la pause méridienne, c'est une question d'équité. Tous les Herminois doivent être traités de la même manière et qu'une cantine commune, c'est pas possible pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ? Oui, tu viens de citer que pour à l'instant, enfin en la fin, que pour des raisons d'équité, mais aussi économiques. D'équité, j'estime, j'insiste bien, c'est équité dans le sens où j'estime que chaque enfant herminois doit être traité de la même manière. Oui. Si j'ai utilisé le terme économie, c'est une erreur de ma part, c'est vraiment par équité. Oui, il me semble. Cela dit, la majorité a un programme ambitieux, tout à fait honorable, et c'est bien. Mais je pense que pour permettre à nos jeunes enfants de se retrouver dans un service public à caractère municipal, je trouve que vous manquez d'ambition quelque part de mettre en place un tel service qui permettrait à ces jeunes de se retrouver justement dans un cadre d'équité, au même titre que le prix du repas, etc., la gestion de la méridienne. Voilà. Donc, nous ne voterons pas pour cette subvention. Non, tu peux expliciter le manque d'ambition ? Oui, ça m'intéresse. Sur cet aspect-là, vous n'allez pas au bout de la démarche, quelque part, de créer un service qui rassemble nos jeunes, les enfants de 3 à 6 ans, dans un même service où chacun pourrait avoir justement ce service municipal. Oh, donc, vous avez bien compris, en fait. De tous les enfants. Donc, ça veut dire, en fait, de manière très concrète, oui, on fait abstraction du collège Saint-Paul, que lorsqu'il va y avoir la nouvelle école, rue Joël Germain, oui, et que la cantine sera
au niveau du centre de loisirs. Hein. Tout à fait. Ça veut dire qu'en gros, il faut un système de navette. C'est juste pour essayer de bien comprendre, de la place de l'église jusqu'à cette future cantine, c'est ça ? Ou pas ? Certainement qu'il faudra mettre en place un dispositif qui permette justement de nos enfants à se retrouver effectivement dans un même établissement de restauration. D'accord, donc j'avais... Non, c'était juste pour bien avoir les tenants. C'était juste pour expliciter nos divergences de point de vue par rapport à ça. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Moi, je vais revenir sur le terme d'équité, j'en ai déjà parlé, mais là tu parles qu'il faut être équitable entre tous les enfants et je suis entièrement d'accord, mais là on parle essentiellement de budget. Donc dans l'équité, c'est on alloue le même budget à l'école privée qu'à l'école publique sur la pause méridienne, je précise. Mais ça s'arrête au budget. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que les enfants ne sont pas... traité, entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais équitablement, puisque le règlement intérieur, l'école publique, c'est le conseil d'école qu'il vote, qu'il choisit. La réglementation, tout ce qui est au sein de l'école publique, il y a un œil de la mairie sur ce qui s'y passe. À l'école privée, ce n'est pas le cas. Avec l'association, mais il n'y a pas de lien direct avec la mairie. La mairie ne décide pas ce qui se passe sur la pause méridienne de l'école privée. Pas comme. C'est pas pareil. Il n'y a pas d'équité. Pour le repas, il n'y a pas d'équité. Après, sur un plan. Sur l'organisation de la pause méridienne, il n'y a pas. Les élèves du privé et du public ne font pas les mêmes choses, ne mangent pas les mêmes choses et n'ont pas accès aux mêmes choses. Non. Ceci étant, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a. Sur un plan purement théorique. Ben, je suis complètement d'accord avec vous, sur un plan purement théorique. Sauf que lorsqu'on est élu, il faut passer de la théorie à la pratique. Et qu'il y a une réalité que j'ai évoquée, hein, c'est-à-dire que sur un plan purement géographique, c'est hors de question, je le dis hein, simplement, hors de question, il n'y aura pas, enfin tant que, en tout cas, je pense que je serai élu, et tant qu'il y aura cette majorité, il n'y aura pas de navette de l'école Sainte-Marie à une future cantine communale. Enfin, je veux dire, quand je vois déjà le je ne regrette pas, hein, mais quand je vois déjà le coût des navettes, parce qu'on parle d'argent justement, quand je le coût des navettes pour aller à la garderie, moi ça m'interpelle. Et d'autant plus, ça serait d'autant plus regrettable si c'était des navettes qui étaient utilisées uniquement d'ailleurs pour l'école privée, au passage, pour un service public. Enfin, je veux dire, si on suit la même logique que vous sur un pan purement... parce que... Et du coup, l'autre chose que je voulais mentionner, c'est qu'il y a une réalité. C'est le collège Saint-Paul et l'école à Sainte-Marie fonctionnent ensemble. J'estime que les jeunes... herminois ou les jeunes qui sont sur les écoles de cette commune, ils doivent avoir un encadrement digne. Ils doivent pouvoir se poser. La pause méridienne, il y a le mot pause. Ils doivent se poser, avoir un encadrement digne. Donc c'est pour ça que je parle d'équité. Alors sur un plan purement théorique, oui, je suis d'accord. Si par magie, je peux faire avoir une cantine communale qui est à une distance raisonnable des écoles, oui, ça marche. Sauf que c'est pas la réalité. Alors, on est d'accord par rapport à la distance, c'est compliqué. Et puis, pause ne serait pas une vraie pause. Mais par rapport à l'école maternelle, par exemple. Oui, mais elle va partir, l'école maternelle. L'école maternelle, l'école maternelle. Non, privée, je ne sais pas. Bah, elle est au même endroit. L'école publique, les repas, c'est la collectivité. Oui, je sais. OK, donc là, il pourrait y avoir une exigence de la mairie, par exemple, qu'il n'y a pas pour l'équité. Pour les règlements. Enfin, il y a plein de choses. Moi, je veux bien qu'on parle d'équité. Mais si on parle d'équité, il faut être dans l'équité jusqu'au bout, quoi. Pour moi, c'est juste une équité financière. Là. Et elle est louable, hein, j'entends. Et il y a un autre point qui est un peu... qui pose problème, c'est par rapport au nombre d'enfants au privé. On compte les enfants qui sont hors commune dans cette gestion budgétaire. Alors que, normalement, ce n'est pas la commune de prendre en charge...
les enfants qui sont en dehors de la commune. Après, comme donc, je en termes d'équité, là aussi, on n'y est pas, en fait. Oui, mais de toute façon, c'est le principe, je pense, qui vous pose malgré tout problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas dans une structure publique, c'est ça, en fait, le fond du problème. Et c'est-à-dire que, et là, c'est pas grave, mais c'est une vraie divergence. C'est-à-dire que, et je pense que c'est même une divergence sur un plan politique. C'est-à-dire que vous l'avez déjà dit en conseil municipal, vous réclamez d'une certaine gauche, voilà, ou de gauche, voilà. Moi, je pense que c'est une certaine gauche, mais d'une gauche. Et moi, je suis maire de tous les Herminois. Et j'estime que c'est absolument pas normal d'avoir des enfants sur cette commune qui peuvent pas avoir un encadrement équitable. Alors après, on pourra débattre longtemps. Je crois qu'on n'est pas d'accord sur le mot, en fait, parce que dans l'idée, moi, je suis d'accord que tous les enfants de Saint-Hermine soient, qu'ils aient les mêmes droits. Qu'ils soient traités de la même façon. Voilà, pardon. Qu'ils soient traités de la même façon. Seulement, ça n'est pas le cas, en fait. Ça n'est pas le cas, puisqu'ils sont dans des établissements différents, avec des règlements différents et une alimentation différente. Ce n'est pas équitable. On n'est pas d'accord sur le mot. Et ce n'est pas équitable. Sincèrement, je ne trouve pas ça équitable. Moi, je regrette ça, en fait. Alors, je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas envisageables, parce que pas possibles. Il y a des choses sur lesquelles on pourrait se pencher et qui pourraient être possibles. Et je regrette que ça soit pas, on ne soit pas plus exigeant dans ça, quoi. Vas-y, Virginie. Moi, je voudrais juste rajouter, je clorerai le débat avec mon avis, juste préciser en fait que si les repas sont pris en lien avec le collège, c'est qu'il y a une convention qui existe depuis moult années, je pense que Catherine, tu ne me contrediras pas, pour qu'il y ait aussi une raison de praticité en fait. C'est un groupe scolaire qui est à côté. Et pour aussi le bon fonctionnement de la restauration du collège, il est important que les élèves de l'école primaire et maternelle privée mangent au collège. En fait, ça fait des années que c'est comme ça. Et pour moi, l'équité, il n'y a pas à en avoir. On peut en parler pendant plusieurs temps sur le repas. C'est pas le débat, en fait. Là, on est vraiment sur de la pause méridienne, qui est un temps, je le rappelle, qui n'est pas à gérer par une équipe enseignante et qui doit être à charge de la commune pour laquelle se trouve l'école. Mais on est d'accord. Donc sur voilà. Ça, en fait. Je voulais juste préciser qu'il y a aussi cette convention qui fait vivre la restauration du collège Saint-Paul. Moi, je qui fait vivre la restauration du collège Saint-Paul. Ça, c'est pas le sujet. Sinon, on se fiche de non, savoir. Non, Patricia, stop. C'était juste pour expliquer le fonctionnement et pourquoi l'école primaire mangeait, contribuait sur les repas du collège, en fait. Alors, mes mots ne sont peut-être pas les plus justes. Je m'en excuse. En fait, mais c'était pour rappeler aussi le sujet, fonctionnement. C'est compliqué parce que ça énerve tout le monde, en fait. Et je ne vois pas en quoi c'est énervant de pouvoir parler de l'argent public qui est distribué, en fait. Et puis la question des enfants hors commune, comment on répond à ça? Comment on justifie qu'on prend mais en après, charge les enfants de... Honnêtement, je regarde Catherine parce que je veux dire, quand plus tu montes dans les collectivités et plus ils sont adeptes des règlements à usine à gaz, quoi. Avec des trucs hyper compliqués parce que pour être dans l'égalité absolue et finalement c'est des trucs qui sont incompréhensibles pour personne en fait. Donc j'entends, c'est-à-dire que moi je suis dans une logique d'équité et je pense que vous êtes dans une logique d'égalité aussi. Et après voilà, je veux dire, je pense que, mais c'est pas grave en fait, je pense que sur plein de sujets on se retrouve, mais là c'est vraiment une différence de point de vue. Et oui, mais je fais la différence entre l'égalité et l'équité, moi. Je veux pas qu'on me donne de leçons sur la définition. Oh, je suis pas là pour te faire des leçons. Mais c'est pas ça. Je sais ce que c'est que l'égalité, je sais ce que c'est que l'équité. Et dans ce sujet-là, pour moi, et pour pas que moi, on est deux ici à pas être d'accord, mais on n'est pas que deux en réalité. Je sais. C'est pour ça qu'on parle aussi. L'équité, c'est pas l'égalité. Là, vous êtes dans l'égalité, dans le versement de la subvention, mais vous n'êtes pas dans l'équité. L'équité, c'est tout le monde, c'est pas tout le monde. L'égalité, c'est tout le monde pareil. L'équité, c'est l'ajustement de chacun. Et ce n'est pas le cas là. C'est ton point de vue. Et après, ouais. Par rapport à la liberté de parole, j'interdis à personne de parler.
Non, mais je veux dire, c'est que je tiens quand même à le redire. Je veux dire, chacun est libre de ses opinions. Et puis c'est important aussi de rappeler aussi qu'on n'est pas d'accord sur ces sujets-là. Et voilà, c'est tout. Vas-y, ouais. Catherine. Moi, je voudrais prendre de la hauteur par rapport à ce débat d'équité, égalité, etc. Pour moi, c'est une réelle chance de donner le choix aux parents d'élèves d'avoir le choix entre deux écoles, deux types d'enseignement, deux types de fonctionnement, deux règlements, deux types de menus à la semaine, etc. Moi, j'ai eu des enfants qui ont été et dans le public et dans le privé. Je veux dire, on a choisi à la carte, en fonction de chacun, ce qui correspondait à l'enfant. Tu parles d'équité, et là, on était dans l'équité. Enfin, on ne va pas faire un débat là-dessus. C'était juste pour dire la chance qu'on a à Saint-Hermine, et puis dans bien beaucoup de communes en Vendée, d'avoir ce choix de l'école, voilà, pour les enfants. Et c'est pas ça le débat. Et ça, c'est ton point de vue. Désolée d'être plus bas. Mais par rapport aux élèves qui sont hors commune, comment vous justifiez ça? Non, mais après, c'est même pas le sujet, parce qu'après, on va faire une différence. Enfin, moi, ce que je veux, c'est un système qui soit simple. Voilà. Après, on est d'accord, pas d'accord, avec des jeunes qui mangent le midi et qui soient encadrés de manière correcte. Si j'avais l'occasion et si je pouvais faire une cantine communale, je le ferais. Sauf que géographiquement, c'est pas possible. Et donc, c'est pour ça, je reviens. Là, il y a le côté théorique et il y a le côté pratique. On n'est pas d'accord. Je veux dire, c'est comme ça. À un moment donné, c'est normal de pas toujours être d'accord par rapport aux enfants hors commune. Après, ça va être le nombre d'élèves. Je veux dire, il y aura toujours un truc, je pense. Vraiment, je crois à ta sincérité, clairement, parce que ça fait quand même depuis 3 ans comme moi, je veux dire, on est sincère dans ce qu'on dit, mais on va pas faire un règlement usine à gaz, quoi. C'est tout. Donc après, soit on est d'accord sur le principe, soit on n'est pas d'accord. Moi, j'ai aucun. Je l'ai dit aussi, l'école communale. Je le dis, hein, ça aussi. Hein. L'école communale, ça reste l'école publique. Je le dis, ça. Mais après, sur cette question de la pause méridienne, étant donné que je suis dans l'incapacité aujourd'hui de faire une cantine communale, et d'autant plus avec les évolutions de l'école qui va se retrouver rue Joël Germain, ben voilà, je veux dire, à un moment donné, tu essaies de faire un truc qui soit simple, quoi, et pas ça, se faire des nœuds dans le cerveau. C'est mon point de vue. Après, je dis pas que c'est mon point de vue. Et moi, je pense que ce système-là, c'est le plus simple et le plus équitable. Après, j'entends, pour toi, c'est pas le cas. Voilà, c'est tout. C'est ma dernière intervention, parce que je ne vais pas saouler tout le monde. Juste par rapport aux enfants hors commune, on demande aux mairies de financer quand il n'y a pas d'école hors commune. Bon, voilà. Là, on ne le fait pas. Et en plus, c'est les impôts des Herminois qui paient aussi pour des enfants qui sont hors commune. Et je ne sais pas combien il y en a des enfants, moi. Peut-être que vous savez, vous. Pour l'école privée, je le redis, l'école communale, c'est l'école publique. Mais même pour l'école publique, il y a des élèves hors commune. Tout à l'heure, on parlait des élèves Ulysse. Il y a combien qui sont de Saint-Hermine? Mais oui, mais c'est un peu spécial. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu spécial, mais c'est... On ne peut pas comparer les élèves Ulysse, où ils n'ont pas le choix que de venir dans des écoles où il y a des classes Ulysse. C'est pas pareil, il y a le choix, là. Est-ce que c'est pas l'histoire de s'énerver ou quoi que ce soit? Ce que je veux dire, c'est que tu peux, en fait, si tu rentres là-dedans, après, tu as le droit de le dire. Mais en fait, moi, j'ai le droit aussi d'avoir mon point de vue quand même. Le souci, c'est que ce que je veux mentionner par là, c'est que si tu commences à rentrer dans un règlement avec plein de règles dans tous les sens, ça va être ingérable. C'est typiquement le règlement usine à gaz ou le règlement pour pas que ça se fasse, quoi. Donc c'est pour ça que j'en reviens au point de départ. C'est on est d'accord ou pas avec le principe. Et si on n'est pas d'accord avec le principe, voilà. Je veux dire, moi, je peux pas faire... C'est assez simple, en fait. C'est soit je peux faire une cantine communale, non, je ne peux pas le faire. Donc à partir de ce moment-là, je souhaite avoir une situation équitable pour l'ensemble des enfants qui sont scolarisés sur la commune, et on fait un système qui soit simple. On ne va pas s'arracher les cheveux non plus. Donc après, j'entends ce que tu me dis, je ne partage pas. Voilà, c'est tout.
Non, mais j'ai bien compris. Mais bon, ce que je trouve que moi, je parle pas. J'ai parlé de l'encadrement des jeunes. J'ai parlé de l'encadrement des jeunes. Il ne faut pas être plus clair que ça, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres marques? Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc deux oppositions. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc je vous remercie. Le point suivant. Alors, je rappelle la délibération du conseil municipal du 10 novembre 2020 qui validait donc la nouvelle convention établie entre l'école Sainte-Marie, son organisme de gestion et la commune. Donc cette convention a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et maternelles de l'école Sainte-Marie par la commune. Ce financement constitue le forfait communal. Elle a été conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2001 et arrivera à échéance le 31 décembre 2023. Donc il y a lieu de renouveler cette convention à partir du 1er janvier 2024. Donc je rappelle, hein, le coût d'un élève du privé, il est calé sur le coût d'un élève du public. Voilà. Sur le temps scolaire, bien entendu. Non, non, mais je précise. Est-ce qu'il y a des remarques? Les oppositions? Non, pas d'opposition, des abstentions. Je vous remercie. Ensuite, convention SIDEV. Rénovation, éclairage, mairie. Bernard, vas-y. Oui, donc nous allons proposer au conseil municipal un projet de convention du SIDEV concernant la rénovation de la mise en lumière de l'hôtel de ville pour remplacer l'existant hein, qui est à l'arrêt depuis 4-5 ans, car usé. Donc nous proposons le montant prévisionnel est de 21 758 euros avec un taux de participation de 50%, ce qui nous amène la participation à 10 879 euros. Donc monsieur le maire demande au conseil de statuer sur cette proposition. Donc approuve. On vous demande d'approuver ou pas le montant de participation communale de 10 879 euros. Autorise monsieur le maire à signer la convention avec le SIDEV. On a une proposition, pas une proposition. Dans le titre, on a convention rénovation éclairage mairie et oui. Dans le texte, on a rénovation de la mise en lumière des halles. Il s'agit bien de la mairie ou des halles? Ah, on n'a pas la même chose. On n'a pas la même chose, non, parce que moi j'ai rectifié sur la déclaration. Non, non, il s'agit bien de. C'est bien la mairie. Il s'agit bien de la rénovation de la maison. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Allez, tu continues. Et la deuxième convention, c'est pour l'éclairage de la deuxième tranche du fief du Mani. Donc, pour des travaux neufs d'éclairage d'un montant prévisionnel de 17 834 euros avec un taux de participation de la commune de 100%. Et évidemment, ça fait la participation à 18 834 euros. Donc, nous vous demandons d'approuver la convention. Le montant de la participation communale sera donc, comme je viens de le dire, de 17 834 euros et autorise monsieur le maire à signer cette convention. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? C'est bon. Allez, point suivant. Cession d'un terrain au Val-de-Smagne. Donc, je rappelle au conseil municipal l'acquisition de la parcelle YX numéro 15 de 7181 m² pour un montant de 49 000 euros par délibération du 13 octobre 2020, ce qui faisait 6,82 € le mètre carré. Compte tenu de la forte demande concernant l'acquisition de terrains à bâtir et ou de locatifs, la commune de Saint-Hermine devient attractive aux yeux des investisseurs privés. Aussi, compte tenu de l'importance du parc immobilier à caractère social sur la commune et considérant désormais qu'il n'y a plus de carence de l'initiative privée, considérant qu'il s'agit donc d'un secteur concurrentiel, il est proposé de céder une partie de la parcelle à la société donc Sipofilam, donc c'est un promoteur privé, hein, aménagement immobilier situé au Sable d'Olonne, cas de l'ancienneté. Hein. Je crois que le groupe il a 40aine d'années, c'est ça, hein, à peu près. En effet, conformément à la volonté de la commune affichée dès l'acquisition de ces terrains,
et figurant dans la délibération du 13 octobre 2020, il avait été convenu que la commune reste propriétaire de la partie proche de la Smagne, donc 1179 m², permettant ainsi d'assurer une continuité verte destinée à la promenade et aux loisirs, et de la partie proche de la route départementale 635 m², permettant l'installation d'un ouvrage à la charge de l'aménageur destiné à limiter les effets négatifs de la proximité de la route départementale. Ça va, ça, pour tout le monde ? Ouais. Il est proposé de céder donc à la société Cipofilam le lot A, majuscule petit a, de 5444 m² au prix de 6,75 € le mètre carré, et la parcelle AB de 246 m². C'est un fossé, en fait, hein. Compte tenu de sa qualité de servitude pour l'écoulement des eaux pluviales au prix de 1 €. C'est le fossé, en fait, que vous avez tout au long. C'est pour ça la différence de prix. Donc, s'agissant d'un terrain nu, sans opération d'aménagement réalisée, la TVA ne s'applique pas dans cette transaction. Donc, la question, c'est est-ce que vous êtes d'accord à la cession du lot AA de 5444 m² au prix de 6,75 € hors taxe le mètre carré, et le lot AB de 246 m² au prix de 1 € à la société Cipofilam, 6 rue Le Corbusier, au Sable-d'Olonne. Je rappelle aussi que la voirie, tout est à leur charge, en fait. Après, ils vendront les terrains. On a déjà eu des promoteurs privés, hein. On a eu Vendée Logement aussi. Hein. Donc on le fait sur une petite parcelle, pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que mine de rien, quand on fait un lotissement, ça a un coût, c'est pas rien. J'insiste aussi sur ça, parce qu'on les a rencontrés avec Maïté, et c'est libre de constructeur, c'est-à-dire qu'ils aménagent le lotissement. Après, chacun est libre de prendre le constructeur ou le maçon ou les corps de métier qu'il souhaite. C'est-à-dire que c'est pas lié à un constructeur en particulier. Ça, c'est important parce que c'est hors de question, je le dis, hein, clairement, c'est hors de question qu'on ait un promoteur privé qui empêche nos artisans locaux de travailler. Après, on ne peut pas imposer aux gens de travailler avec les artisans locaux, mais s'ils veulent travailler avec des artisans locaux, il faut qu'ils puissent travailler avec ces artisans locaux. Vas-y, Justin. Je pense que c'est à nous de le faire quand on vend le terrain. C'est toujours comme ça. Elle a été faite. Ouais. Mais d'ailleurs, elle avait... Est-ce elle que... a été faite oui, déjà. Après, ouais, c'est ça. Parcelle par parcelle. Ouais. Parce que nous, en fait, on s'appuie bien sur l'étude de sol qui avait été faite lorsqu'on a acheté le terrain. Ouais, donc on n'a pas besoin d'en refaire une autre. Voilà. Tu peux rappeler le nombre de parcelles et à peu près qu'ils veulent faire et les superficies ? Je n'ai pas le plan là, mais c'est une dizaine à peu près. Et après, il y a une parcelle aussi pour faire du collectif, qui est plus proche de la départementale. Puisque ça en revient à la problématique, il n'y a pas de petite structure pour des jeunes. Il est quand même. Ils doivent quand même obéir aux règles de. De construction à l'hectare, pardon. Ouais, et du coup, je leur ai demandé de travailler sur. Parce qu'ils travaillent avec nous aussi, ça c'est important. Ouais. Je leur ai demandé de travailler sur des parcelles de taille variable, c'est-à-dire qu'il y a quelques parcelles qui sont un peu plus grandes. Je crois qu'on arrive presque à 600. Ouais. À 600 mètres carrés, ou 500. S'il y a une à 600. 500, donc c'est des parcelles qui sont assez grandes pour maintenant. Oui. Et après, il y a des plus petites parcelles, donc de 300 mètres carrés. Là, on est plus sur du locatif. Il y a une plus grande parcelle aussi pour faire du collectif. Voilà. Okay. Bon, après, ils vont nous proposer. L'intérêt, c'est que ce n'est pas une trop grosse parcelle et c'est de faire un test. On va voir ce que ça donne aussi, si ça marche ou si ça ne marche pas. On a le droit aussi de tester. Hein. On n'attirera plus les primo-accédants sur ce genre de projet, ils ne vont pas être zéro. C'est compliqué pour l'année prochaine. Je ne sais pas comment ça peut se passer. J'en sais rien, mais justement, il y a tellement d'incertitudes, ça a tellement un coût aujourd'hui, je veux tester. Je veux voir ce que ça donne. Après, même si ça met un peu de temps pour se vendre, on verra, j'en sais rien. Je ne sais pas combien ils vont sortir le lot.
Parce qu'en plus, je pense qu'ils vont faire des prix différenciés en fonction des lots. Ce ne sera pas forcément un prix au mètre carré. C'est ce qu'on voit de plus en plus aussi maintenant. Et ces constructions, est-ce qu'elles vont être comptabilisées aussi dans le plan qu'on vient de discuter avec la Comcom, des 330 maisons par rang? De toute façon, le compteur, il est déjà plus ou moins enclenché là. Okay. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le PLH, il découle du SCOT. Le SCOT a été validé avec un nombre de logements qui a été validé lui-même par la communauté de communes au niveau global et par les services de l'État. Parce qu'au début, on était dans des chiffres comme ce plot. Enfin, c'était complètement débant. Hein. Moi, je veux bien, mais ça veut dire que là, il faut que tout le monde se mette à faire des enfants. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Bon, moi, ça vous fait sourire, c'est bien. Est-ce qu'il y a des oppositions pour la vente de ce terrain? Donc, on garde pour faire le parc, comme on avait prévu. Des abstentions? Je vous remercie. Après, on arrive au compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations accordées au maire. Allez-y, Jean-Michel. Alors, le tableau du haut concerne la commande publique. Donc, arrêté du 7 septembre 2023 concernant un avenant numéro 1 pour des travaux de mise aux normes sur les installations de chauffage de l'école élémentaire. C'est un avenant pour la société Misnar Quinte, donc d'un montant de 6 512,85 € hors taxe. Arrêté du 6 novembre 2023 concernant le choix du bureau d'études pour le contrôle technique pour la création d'une salle de danse, gym, yoga et d'un espace sportif extérieur, donc à la société Caliconsult, pour un montant de 5 630 € hors taxe. Concernant les décisions prises par monsieur le maire pour les baux, en fait, c'est un bail du 26 septembre 2023 concernant la convention de mise à disposition des locaux du 139 route de La Rochelle au profit de Solidaire à titre gracieux. Arrêté du 26 septembre 2023 concernant la convention de mise à disposition des locaux du 137 rue Clémenceau au profit du Secours catholique à titre gracieux, et un bail du 26 septembre 2023 concernant la convention de mise à disposition des locaux de l'ancienne mairie du 23 rue Georges Clémenceau au profit de l'association Regard d'Hermine à titre gracieux. Et après, il reste les DIA. C'est bien ça. C'est ça. Alors, première DIA, donc 2023-45, il concerne la parcelle section AC numéro 37, 105 route de Nantes. Une DIA 2023-46 qui concerne la parcelle section XEC numéro 83, 10 rue des Primes Verts. Une DIA 2023-47 qui concerne les parcelles section AO numéro 392, 94 et 97, 16 chemin de Chigné. La DIA 2023-48 qui concerne la parcelle section AD numéro 18, 143 rue Georges Clémenceau. La DIA 2023-50 qui concerne la parcelle section AC numéro 228, 27 route de La Rochelle. La DIA 2023-51 concernant la parcelle section XR numéro 251, 23 chemin des Louris. La DIA 2023-52 concernant la parcelle section AB numéro 102, 106 rue d'Ougnette. La DIA 2023-53 concernant la parcelle section AC numéro 449 qui est située 4 grandes rues du Mouton. Et la DIA parcelle... Enfin, je ne sais plus parler en fait. Je n'arrive plus. La DIA 2023-54 qui concerne la parcelle section AO numéro 106, 100 rue Maurice Gandemer. Je voulais juste aussi faire un petit point parce que j'ai demandé un bilan à Michaela concernant les permis de construire et les DP, les déclarations préalables. Vu le contexte, j'étais persuadé que ça allait baisser. Et en fait, non.
C'est-à-dire que quand on regarde, j'étais quand même sacrément surpris. Hein. Parce que lorsqu'on regarde à l'échelle de Sud-Vendée littorale, il y a une baisse quand même dans la plupart des communes au niveau des permis de construire et des déclarations préalables. Et sur la commune, on est au même niveau encore au niveau des permis de construire et les déclarations préalables, on en a plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que malgré le contexte, malgré tous les problèmes qu'il y a pour avoir des prêts, on se retrouve à être toujours une commune aussi attractive. Voilà, je le dis parce que moi, ça m'a surpris. Je ne m'y attendais pas du tout. Et en plus, j'étais sûr de moi. Hein. Maïté rigole parce que c'est vrai que du coup, Maïté était là et j'ai fait répéter parce que j'y croyais pas. Mais je suis content. Ça veut dire que la commune continue à être attractive. Voilà. Et pour aller dans le sens que tu dis, par rapport au diagnostic par bassin de vie, le schéma, il est très parlant. Et quand on compte les rectangles verts du territoire de Saint-Hermine, il y en a 6. C'est le seul secteur qui en a autant. Chaillé-les-Marais, c'est 4. Mareuil, c'est 5. Et Luçon, 5. Ça dénote aussi de l'attractivité du territoire. Donc j'avais observé ça et je trouvais ça intéressant, justement. Voilà. C'était tout. Est-ce qu'il y a des remarques particulières à faire? Cathy, tu veux redonner la date? La date et l'affiche, hein, si vous ne l'avez pas vue. Donc, présentation du schéma directeur des déplacements actifs le vendredi 24, donc dans à peine une semaine, si un peu plus. Ici, c'est à 18h30. Je le rappelle, c'est important que tout le monde puisse venir à cette réunion de présentation du schéma directeur, puisque là, tout le monde va pouvoir se rendre compte des modifications des plans de circulation et des projets d'aménagement des pistes cyclables et piétonnes. Donc voilà, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, si on s'intéresse au projet et qu'on veut apporter un avis. Voilà, ce ne sera pas quand ça sera fait qu'il faudra dire « Ah, il fallait faire comme ça. Okay. » Oui. C'est une réunion publique ouverte à tous. Oui. Ouais, oui. Voilà. Et je pense notamment sont ciblés les parents d'élèves hein, qui circulent, notamment qui amènent les enfants auprès des écoles, hein, tout ce qui est autour de la place de l'église et puis la rue Flandre-Dunkerque. Voilà. Et donc l'ordre du jour du conseil municipal est épuisé. Est-ce que vous avez des questions? Non, Philippe. Des remarques? Vas-y. Moi, j'ai pas de questions. Je voulais profiter du conseil municipal pour rappeler que le week-end du 9 décembre et du 10 décembre, la commune organise le Téléthon, notamment avec le marché de Noël aussi. Donc le 9, la journée consacrée au Téléthon, et le 10 décembre au Téléthon. La journée du... j'ai dit quoi? Téléthon. Oui, bon, oui, voilà. Pardon, mes neurones sont fatigués. Et du coup, sur cette journée du Téléthon du 9 décembre, donc plusieurs associations se mobilisent pour organiser diverses activités. Je serai moi aussi présente avec mon conseil municipal des enfants, pardon. Donc il y aura des ventes d'objets de décoration de Noël qui sont faites par nos petites mains. À nous. Donc voilà, si vous voulez décorer vos sapins, il y aura plein de petites décorations et les associations ont prévu plein de belles choses. Ça circule sur les réseaux, mais je trouve important de pouvoir le signaler et le rappeler ce soir. Et certaines associations sont aussi présentes au marché de Noël du 10 décembre. Une très belle manifestation aussi, donc voilà, venez nombreux. Ah pardon, effectivement, merci. Le 9, c'est à la salle de l'Anglais. Enfin, dans la rue Flandre-Dunkerque aussi, parce qu'il y a il y a les pompiers qui seront là, qui seront là pour les enfants notamment, avec passage des vêtements, enfin tout ce qu'ils aiment bien faire. Il y a des activités en extérieur aussi, et le marché de Noël se trouve aux Halles. Voilà. Ben voilà. Donc du coup, vous pouvez rester, on peut prendre un verre ensemble après le conseil. Voilà. Je vous souhaite en tout cas à toutes et tous une bonne soirée. Voilà, merci.